Écoutez, bonsoir à tous pour ce premier jeudi de l'écologie de l'année 2024. Bonne année et merci à tous d'être venus ici nous retrouver. Un grand merci au passage à l'Académie du Climat, à Sarah Albi et toutes ses équipes de nous accueillir, de continuer de nous accueillir et de nous permettre de venir ici à l'Académie du Climat pour cette soirée en partenariat avec la JJH, donc l'Association des journalistes des jardins et de l'horticulture. Voilà, pour cette première soirée qui sera consacré au sol et à la santé des hommes. Voilà, je laisse sans plus attendre la parole à Isabelle Vaucanson qui va présenter avec moi cette soirée. Bonsoir, merci d'être là. Je vois qu'il y en a qui ont bravé la neige. Donc ce soir, c'est une soirée organisée à la fois par l'Association des journalistes du Jardin et de l'Horticulture et les journalistes écrivains voilà, de la nature et de l'écologie. Ici, nous sommes à l'Académie du Climat. Et ce soir, nous allons ensemble nous occuper du climat en parlant du plancher des vaches. Parce que sans sol organique, il n'y a pas de plantes, pas d'animaux, pas d'humains et aucune chance d'améliorer le climat. La santé des humains, la santé des animaux et celle des écosystèmes sont donc étroitement liées. Il y a un concept qui existe qui s'appelle une seule santé, One Health, qui est une approche qui intègre tous les domaines du vivant et qui définit que la protection de la santé des hommes passe par celle des animaux et de leurs interactions avec l'ensemble des composantes du vivant et du non-vivant. Sous nos pieds, la vie s'agite, ou le devrait. L'association France Nature Environnement, juin 2023, constate que chaque année, la France continue à artificialiser 200 à 300 km² de terres naturelles, soit 2 à 3 fois la surface de Paris. Le sol, c'est ce socle sur lequel s'est déroulé notre passé, que nous foulons quotidiennement et sur lequel repose notre avenir. Nous n'en avons pas d'autre. Il y a environ 480 millions d'années, la planète existe, mais pas encore ce que nous appelons le sol. Pendant un temps infini, la vie qui s'éveille va produire cette terre qui prodigue ses richesses dans les végétaux, puis les animaux. Peut-être que je vais me faire reprendre d'ailleurs. Peut-être qu'il y avait des animaux qui étaient déjà des animaux avant des végétaux, qui étaient peut-être pas encore des végétaux. Je ne sais pas. Il y a 12 000 ans, des bipèdes inventent l'agriculture. Il y a 6 000 ans, ils sont assez nombreux pour créer des cités. Les autres vivants, les habitants de la planète, s'adaptent et la vie poursuit son développement. Puis les humains parviennent à l'ère industrielle. On creuse, on extrait, on ouvre, on renverse, on déverse, on bouleverse, sans réfléchir aux conséquences. On tranche, on détruit, on extermine, sûr de notre pouvoir sur la nature. Nous avons, pour partie, éteint la vie sous nos pieds et peut-être la lumière dans nos cerveaux. Ce soir, nos trois invités sont là pour la rallumer et nous dire pourquoi et comment nous pouvons rendre la vie au sol. Je vous présente Gaël Vincent, qui est ingénieur d'études en écophysiologie végétale à l'Université Paris-Saclay. Antoine Pierrard, qui travaille à l'ADEME comme coordinateur de la qualité des sols et coordinateur de la fresque du sol. Et Béatrice Julien-Labruyère, qui est à la fois paysagiste dans le cadre de l'Agence Terre et présidente de la Fédération française du paysage. Et c'est à eux que je vais donner la parole avec une première question qui est « Mais qu'est-ce qu'un sol, Gaëlle ?» Un sol, c'est un système complexe, organisé, et qui est le produit de l'altération des roches, donc de matières minérales non vivantes, avec le vivant. S'il n'y a pas de vivant, la roche va s'altérer sous l'effet de l'eau, du vent, mais ne produira pas de sol. Pour qu'il y ait un sol, il faut qu'il y ait une interaction entre le minéral et le vivant.
Et ce sol va se constituer petit à petit, au cours du temps, du fait de ces interactions, et s'organiser sous forme de couches qu'on appelle des horizons. Et ce qu'on attrape dans ses mains, quand on met les mains dans le sol, ce qu'on attrape, les petites particules, c'est la terre. Donc la matière, c'est la terre, et c'est l'organisation structurée en profil qu'on appelle un sol. Et un sol, ça peut être plus ou moins profond, plus ou moins superficiel, de quelques millimètres à plusieurs mètres d'épaisseur. Voilà ce que c'est pour moi, très rapidement, un sol. Je vais compléter en deux mots pour insister sur un point, c'est qu'un sol, c'est vivant. Je pense que c'est quand même le cœur aussi du sujet de ce soir. Un sol, donc, c'est un mélange de minéral et d'organique, de l'organique qui est mort, la matière organique qu'on retrouve dans le sol, et puis d'être vivant. Ce qu'on voit à l'extérieur, les végétaux pour la partie externe, et puis toutes leurs racines qui sont à l'intérieur, et puis après, dans le sol, on va avoir les bactéries, les champignons, les fourmis, les taupes, les vers de terre, et tous les êtres vivants que vous pouvez imaginer. Donc un sol, c'est extrêmement riche en biodiversité, donc on va y revenir par la suite. Et donc cette première étape, en fait, qu'est-ce qu'un sol ? Nous, c'est ce qu'on traite dans la fresque du sol, en première partie de jeu, pour bien faire comprendre à tout le monde qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça se crée, d'où ça vient, comme tu l'as très bien décrit, pour poser les bases en fait, de la réflexion pour la suite. Gaël, Béatrice, pour toi, c'est quoi un sol ? Oui, alors pour moi, un sol, c'est la base du paysage, c'est même la base pour nous du projet de paysage. Un sol, c'est unique, c'est une situation, c'est un sous-sol, c'est une surface, c'est un écosystème dans un écosystème lui-même qu'il faut diagnostiquer pour imaginer son avenir. Un sol, c'est quelque chose qu'il faut qu'on répare. C'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille et qu'on améliore et qu'on aménage pour un projet de paysage. Voilà, c'est ça pour moi un sol. Alors ça ouvre tout de suite une autre question. S'il faut le réparer, c'est qu'il est abîmé. Est-ce qu'un sol, ça peut être mort ? Aujourd'hui, on considère plutôt qu'il y a des sols qui sont dégradés, très dégradés. À l'échelle européenne, on va dire qu'il y a à peu près 70% des sols qui sont dégradés, donc qui sont abîmés. Par contre, il n'y a pas de sols qui sont morts. Il y a toujours de la vie dans les sols, même dans des sols qui sont très dégradés, on va retrouver de la vie. Alors plutôt des êtres vivants microscopiques, qui eux résistent beaucoup mieux finalement aux phénomènes de dégradation. Les bactéries, certains champignons, certaines archées voilà, qu'on va retrouver. Beaucoup moins des organismes plus gros, qui eux vont être beaucoup plus impactés par différentes dégradations. Mais les sols ne sont pas morts, non. On parle de bactéries, d'archées, tous ces organismes microscopiques ne sont pas forcément faciles à se représenter. Mais il faut vraiment penser que la vie du sol, c'est ce qu'on voit, donc effectivement la taupe, mais pas seulement la taupe, finalement c'est un élément très minoritaire. Si on descend dans l'échelle des tailles, on va retrouver ce qu'on appelle nous la macrofaune, c'est-à-dire les gros animaux qui en fait pour vous sont déjà relativement petits, les vers de terre, les arthropodes, les insectes, les cloportes. Et puis si on descend encore, on va tomber sur des organismes beaucoup plus petits. Moi, j'ai une vraie passion pour les colamboles, qui sont des petits arthropodes sauteurs, qui sont vraiment très, très mignons quand on les regarde à la loupe binoculaire. Et puis, on descend encore en taille, on va retrouver les protozoaires, les petites algues. Et puis, moi, je travaille beaucoup dans mon quotidien d'ingénieur de recherche sur les micro-organismes du sol. Et les micro-organismes du sol, on les range en trois catégories. Donc, le groupe des champignons, que vous connaissez parce que peut-être que vous appréciez l'omelette au cèpe. Le cèpe, c'est la partie visible du champignon, c'est l'organe de fructification, mais le corps du champignon, ce n'est pas ça. Le corps du champignon, il est dans le sol, ce sont les filaments blancs de mycélium que l'on voit parfois quand on soulève les feuilles. Et puis autour de ces champignons, il y a aussi un grand, grand nombre d'espèces de bactéries, donc des bactéries qui ont toutes les fonctions possibles, hein, comme sur notre peau, comme dans notre corps, des bactéries qui sont là et qui cohabitent et qui participent au fonctionnement du sol, parce qu'on a parlé de dégradation, s'il y a une dégradation, c'est dans les fonctions, on va y revenir après. Des bactéries qui peuvent être pathogènes, mais ce n'est vraiment pas un cas général. Et donc le troisième groupe que Antoine a mentionné, ce sont les archées. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez bien, les archées, elles n'ont pas de petits noms la plupart du temps, comme les bactéries ou les champignons. Ce sont aussi des êtres vivants unicellulaires, mais avec qui appartiennent à une branche séparée, en fait, qui ne sont ni des bactéries, ni des eucaryotes, pour
utiliser quelques gros mots quand même. Ça va ? Ouais, mais moi j'ai une question tout de suite là. Parce que, vous disiez que le sol, c'est quand même la dégradation, l'échange entre le vivant et qu'on a besoin de ce vivant, et de la dégradation de ce vivant pour constituer le sol. Qu'en est-il du sol du désert, par exemple ? Là, on n'a pas d'humus. Est-ce qu'on parle aussi de sol dans le désert ? Je ne sais pas qui pourrait répondre. Dans le désert, dans les endroits soit de roche, soit de sable, pour moi, c'est de la roche, c'est pas du sol. D'accord. Voilà. En revanche, dans la palmeraie de l'oasis, là, il y a de la vie et du sol. Antoine, tu es d'accord ? Et Béatrice aussi, donc, on ne peut parler de sol que s'il y a de la dégradation de végétaux. On parle de sol, comme on l'a évoqué au début, quand il y a un mélange d'organique et de minéral, d'accord, de vivant et de mort. D'accord. Et quand il n'y a que du minéral, on n'est plus sur du sol. On est sur le matériau parental ou sur des produits de l'altération de ce matériau-là, de la roche-mère, mais ce n'est pas du sol en tant que tel. Parce qu'il manque cette couche qui est vivante, cette partie vivante à l'intérieur du sol. Pour fixer l'idée par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il faut voir que dans l'équivalent d'une cuillère à soupe de sol, à peu près, il y a plus d'êtres vivants que d'humains sur Terre. On a du mal à se le représenter, mais c'est une réalité. Quand on va chiffrer, quand on va compter le nombre d'individus, on en trouve plus que d'humains sur Terre. Alors évidemment, la grande majorité, c'est des bactéries, c'est des champignons, c'est que des organismes qui sont microscopiques, qu'on ne voit pas. Comme on ne les voit pas, on a tendance à les négliger. Il ne faut pas oublier qu'ils sont plus nombreux que nous. Dans un gramme de sol, à peu près 1 milliard de bactéries et quelques kilomètres de filaments de champignons. Isabelle, à toi. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un sol en bonne santé ? Alors, il y a plusieurs concepts à décrire autour de cette notion-là. Quand on parle des sols, on va parler parfois, vous allez lire des articles qui vont parler de santé des sols, de qualité des sols, et puis derrière, évidemment, de dégradation des sols. Aujourd'hui, on va estimer qu'un sol, on va parler de sa qualité, ça va être de son potentiel en fonction de ses propriétés initiales. Et la santé, ça va être le potentiel qui s'exprime en fonction d'un usage qu'on va en faire. Si on fait un parallèle, on pourrait imaginer, ça parle peut-être pas à tout le monde, les questions de génotype et de phénotype. Le génotype, c'est le patrimoine génétique qu'on a, et le phénotype, c'est le patrimoine exprimé. On prend deux plantes, qui sont issues de la même espèce. Si on en met une à l'ombre, une à la lumière, par exemple, elles ne vont pas avoir le même phénotype parce qu'il y en a une qui va s'étirer parce qu'elle ne trouve pas de lumière et l'autre qui va pousser différemment, faire des feuilles de notre taille parce qu'elle a de la lumière. C'est son phénotype qui va être différent. Et finalement, le sol, on pourrait considérer que c'est un peu ça aussi. Sa santé, c'est son phénotype, c'est comment il s'exprime. Et donc après, un sol qui est dégradé, c'est un sol dont on va avoir altéré les propriétés. Et parce qu'on a altéré ses propriétés, finalement, il va s'exprimer moins bien, il va être en moins bonne santé. Moi, je dirais que, pour revenir en tout cas sur le sol mort, on apprend en paysage, finalement, à travailler l'avenir du monde sur du poubellien supérieur. Les sols, on peut le dire quand même, les sols, c'est quand même une catastrophe écologique, sont vraiment abîmés. Et effectivement, tout le travail, c'est d'essayer de les raviver, en fait, de leur redonner vie. Et on essaye, la plupart du temps, de se dire qu'un sol est vivant parce qu'il est en devenir, en fait. Hein, parce que, comme ils sont plus ou moins anthropisés, on va dire, il est en devenir. Et même s'il est confiné, pollué, peut-être qu'il a quand même un devenir, on va dire. Et puis, dans les devenirs, on essaye de tester, de voir un petit peu comment on peut les améliorer suivant leur dose d'anthropisation, on va dire. Alors, tous les sols ne sont pas anthropisés au même degré, mais les menaces et les risques, les possibilités de dégradation d'un sol, elles sont multiples, elles sont à la fois physiques, elles sont mécaniques, elles sont chimiques. Et là, on peut faire une très longue liste des modes de dégradation. Et donc, ce qu'il faudra faire pour les remettre en état, les régénérer, ce sera pas le même traitement ou bien les mêmes objectifs en fonction de la dégradation qu'ils ont subie aussi. Mais on est d'accord qu'un sol, c'est un système dynamique. Tout à fait. On ne peut pas parler d'équilibre parce que l'équilibre dans le vivant n'existe pas, mais c'est un équilibre dynamique avec
des apports du haut par ce qui tombe sur le sol, du bas par la roche qui se dégrade, par l'eau qui circule de manière latérale, par le vivant qui est dans le sol, le vivant qui est au-dessus du sol, et puis le vivant qui meurt, qui vient enrichir ce qu'on appelle la matière organique du sol. Et la matière organique, c'est un élément clé vis-à-vis de tous les modes de dégradation, finalement. Oui, moi, j'aime bien avoir cette image du sous-sol, en tous les cas, comme un lieu de vie dans lequel il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a des minéraux et il y a des vivants. Donc, toute une vie, en fait. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir... Donc, du mouvement. Donc, c'est ça la biosphère aussi, c'est ça ce mouvement. Et donc, c'est important de pouvoir montrer. C'est pour ça que, pour les concepteurs, architectes, paysagistes, pour nous, c'est on utilise la coupe comme un outil de dessin de projet pour montrer dans nos projets à venir ce qui va se passer en dessous, mais aussi ce qui va se passer au-dessus. Parce qu'en fait, c'est l'écosystème du sol, il est aussi en lien avec les plantations et aussi en lien avec le climat, bien sûr, et avec les stress hydriques potentiels et toutes ces choses-là. Bon, alors à quoi ça sert le sol ? À quoi ça sert le sol ? Ça fournit pas mal de services. Tu l'as évoqué en introduction, c'est quand même, ça porte notre avenir. Je pense que c'est un bon résumé. Les sols, ils sont à la base d'à peu près toutes les activités humaines. Après, c'est très discret. C'est des choses qu'on ne repère pas forcément. Dans la pièce autour de nous, là, il y a du sol. À quoi ça sert le sol ? Ben, c'est chaises en sorte de rotin. S'il n'y a pas de sol, on ne fait pas pousser cette plante, donc on n'a pas de chaise. Le plancher qui est en bois, s'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de bois. Les rideaux qui sont en coton, s'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de coton, et ainsi de suite. L'eau qu'on boit, il y en a à peu près 60% qui est préfiltrée par les sols. On se rend compte en fait que les sols, ils sont partout dans notre quotidien et on ne le voit pas. Et ça, en fait, ça amène à, dans les concepts qu'on essaye de faire passer, alors à la fois dans la fresque du sol, pour les expliquer à tous les citoyens, mais aussi de façon plus générale dans la littérature, c'est d'expliquer deux notions qui sont très différentes, c'est les fonctions écologiques et les services écosystémiques. Quand on pose la question à quoi ça sert le sol, en fait, c'est à quoi ça nous sert le sol, si on traduit un peu. En tout cas, c'est ce que j'ai expliqué là. Et ça, c'est les services écosystémiques. Quand on a un bénéficiaire humain, nous, on s'en sert du sol, on l'exploite, et du coup, on le dégrade. Les services écosystémiques, c'est ça. Et en amont, le sol, il a des fonctions écologiques. Si on n'était pas sur Terre, le sol, il continuerait à avoir ces fonctions-là. Il filtre l'eau, il recycle la matière organique... Il conserve de la biodiversité, ainsi de suite. Ça, c'est des fonctions écologiques. Il y en a 7 qui sont décrites dans la littérature. Et c'est indépendant des activités humaines. Et c'est sur la base de ces fonctions qu'on va, nous, extraire des services et profiter, finalement, du système sol. Donc, ça veut dire que si on veut réparer un sol, il faut lui rendre ses fonctions écologiques. Oui, quand on parlait de santé du sol, pour moi, un sol en bonne santé, c'est un sol dans lequel ses fonctions sont possibles, indépendamment des services qu'ils rendent à l'humain. Effectivement, c'est intéressant cette question parce que ça rejoint une loi qui a été promulguée en France en 2021, la loi Climat et Résilience, qui vise à lutter contre l'artificialisation des sols avec des objectifs de zéro artificialisation nette. Et dans cette loi, il y a plusieurs définitions qui sont posées, dont une autour des fonctions des sols et de la refonctionnalisation des sols. Et ce qui est dans cette loi, c'est que pour rétablir l'état d'un sol, on doit travailler sur ses fonctions, pas sur ses services. On doit refonctionnaliser les sols indépendamment finalement des services qui nous prodiguent. Alors est-ce que c'est possible ça quand on a des projets de paysage en milieu urbain ? Ben c'est vrai qu'en tous les cas, cette idée de refonctionnalisation des sols plutôt que de services, elle est hyper importante et elle va porter, on espère, nos projets et cette prise de conscience politique avec ce projet de zéro artificialisation nette qui se transmet dans cette loi, on est très favorable parce qu'on se dit qu'effectivement c'est un avenir qui est porteur. Maintenant, il y a plein de paradoxes autour de ça et de problématiques en fait. Actuellement, on teste énormément les paysagistes, les écologues dans nos projets urbains,
des projets tests en fait hein, sur cette ce zéro artificialisation qui sont très appelés à être connus de toutes les structures comme les EPF qui sont aussi des établissements publics fonciers qui ont aussi la main en fait pour pouvoir accompagner les élus dans leur projet à artificialiser un peu moins les sols ou à prendre en compte les fonctionnalités justement ou à prendre en compte le fait qu'un sol est unique et qu'il faut le diagnostiquer et qu'il faut le travailler. Moi, j'ai une question. Quand on parle de dégradation des sols, est-ce qu'on a un classement du niveau de dégradation entre l'artificialisation, de l'agriculture intensive avec beaucoup d'entrants? Est-ce qu'on classe justement le niveau de dégradation des sols de réversible à irréversible? À ma connaissance, non. Et même ce qui pourrait être irréversible, finalement, l'est peut-être pas totalement. Pour faire suite à ce que disait Béatrice sur les projets des villes pour lutter contre les imperméabilisations. Dans notre équipe, il y a une thèse qui démarre actuellement, financée par l'Eurométropole de Strasbourg, où ils commencent à désimperméabiliser des surfaces de parking pour voir justement comment les fonctions écologiques du sol peuvent être restaurées, à quelle vitesse, dans quel cadre. Donc en enlevant le bitume, alors on a fait, nous on a différents indicateurs pour estimer le fonctionnement d'un sol. Et ce qu'on peut faire de manière assez simple, c'est mesurer le flux de dioxyde de carbone qui se dégage à partir du sol, qui est lié à la respiration des organismes vivant dans le sol, aussi bien des racines que des micro-organismes. Et donc, très curieuse, je suis allée avec mon petit appareil faire des mesures sur le bitume. Ça ne respire pas, je vous rassure, c'est bien ce qu'on imaginait, ça ne respire pas. Mais... après désimperméabilisation de la première surface, il y a un mois et demi, les activités biologiques reprennent déjà avec quelques plantules qui ont germé. Alors, l'eau qui pénètre à nouveau, donc le côté perméabilisation a été restauré. Et sur la respiration du sol, là, en période hivernale, c'est un peu difficile, mais on peut imaginer que très vite, l'activité biologique va reprendre. Après, ce ne sont pas les seuls indicateurs, effectivement, et tout un ensemble d'indicateurs de ces fonctions vont être suivis. Mais voilà, là, on avait un sol qu'on peut considérer comme très dégradé. Et simplement pour revenir sur cette loi, ce qui est bien, en tout cas, avec cette loi zéro artificialisation, c'est qu'il y a la mise en place d'un observatoire, en fait, national de la qualité des sols. Donc ça, on espère que ça peut nous aider, en fait, pour nos projets futurs à toutes les échelles. Et tu parlais, je te rends la parole juste après, Antoine, tu parlais justement de ces micro-organismes et est-ce qu'on est dans le sol, on est dans un milieu qui va être plutôt anaérobique ou aérobie, donc en présence d'oxygène ou justement en absence d'oxygène, et est-ce que éventuellement le fait de les avoir couverts, ces sols, on va avoir des nouveaux micro-organismes qui vont se développer peut-être en l'absence d'oxygène? On a des infos là-dessus? Enfin, qu'est-ce que... Alors, normalement, dans le sol, et on l'a évoqué au début dans la définition, il y a de l'air. C'est-à-dire qu'un sol, c'est un mélange de vide et de plein. Et dans le plein, il y a du minéral et de l'organique, mais dans le vide, il y a de l'air et il y a de l'eau. Un sol, c'est pas en permanence gorgé d'eau. Après, il y a aussi des parties du sol qui peuvent être chargées en eau. Donc, en fait, il y a de tout là-dedans. Il y a des organismes qui sont aérobies, d'autres qui sont anaérobies. Mais effectivement, une fois qu'on a imperméabilisé et que dessous, il n'y a plus d'air qui circule, bah là, on va favoriser finalement de la sélection et on va favoriser les organismes qui sont anaérobies. Et ceux qui devaient respirer, soit ont le temps de s'en aller, soit finissent par mourir. Mais d'autres prennent le relais parce que de toute façon, on ne va pas générer un grand vide. On va sélectionner des populations différentes, mais il y a une forme quand même de résilience sur les populations et donc ce sera d'autres groupes fonctionnels qui vont prendre le relais. Mais ça veut dire donc que les tourbières, qui sont des espaces sans air, n'auraient pas de sol? Si, c'est un sol avec des conditions majoritairement aérobies, sauf en surface, sauf par période, parce qu'il y a quand même un certain battement du niveau de nappe. Mais même dans des sols forestiers où on se promène en ce moment, on voit que les nappes perchées à fleurs, là, en forêt de Fontainebleau en ce moment, on a les pieds dans l'eau parce qu'on a parlé des nappes qui se sont rechargées là cet automne. Effectivement, on a des couches d'éléments imperméables sous le sol, des argiles par exemple, des marnes, et l'eau va venir se poser au-dessus
Et on peut avoir comme ça, dans un profil de sol, deux ou trois nappes perchées qui se superposent. Donc il y a des zones aérobies avec de l'air et des zones anaérobies sans air. Et ça, ça fait partie du fonctionnement d'un sol normal. Et la tourbière, c'est un sol un peu exceptionnel, pratiquement sans oxygène la plupart du temps, avec aussi tout un cortège d'espèces microbiennes bien spécifiques dans ce sol et un cortège de plantes associées tout aussi spécifiques. Et c'est aussi ces zones très particulières qu'il faut avoir en tête quand on parle de biodiversité. C'est ces milieux un peu extrêmes qui sont une richesse incroyable en termes de biodiversité. Alors justement, la biodiversité dans les sols, qu'est-ce qu'on compte comme nombre d'espèces ? Est-ce qu'on connaît bien le nombre d'espèces qui circulent dans les sols ? Qu'est-ce qu'on sait exactement de tout ça ? On les connaît toutes, en fait. La réponse est assez simple. En fait, on ne les connaît pas toutes du tout. D'ailleurs, jusqu'à cet été, on estimait à la grosse louche qu'il y avait à peu près 25% des êtres vivants qui vivaient dans les sols. Et là, il y a une publication récente de juillet 2023 qui évoque plutôt un chiffre autour de 60%. Donc on voit que la marge, déjà, elle est énorme. Et c'est 60% plus ou moins 15. Et avec l'information quand même qui dit qu'il y en a encore une grosse partie qu'on ne connaît pas. Nos bases de données ne sont pas complètes, on en découvre tous les jours, et nos instruments de mesure aussi évoluent. Donc en fait, on se rend compte qu'on ne connaît pratiquement rien de cette biodiversité qu'il y a dans les sols. Les premières méthodes d'étude des micro-organismes, la microbiologie classique, passaient par la mise en culture et la caractérisation des micro-organismes, pas sur des caractères morphologiques ou anatomiques, comme on le fait pour les animaux, les végétaux, mais plutôt sur des profils enzymatiques, donc ce que les micro-organismes sont capables de dégrader comme substrat pour se nourrir. Et le problème des micro-organismes du sol, c'est qu'ils ne sont pas cultivables en boîte, en laboratoire, où à peu près 1% des micro-organismes sont cultivables. Donc toutes les techniques de microbiologie à l'ancienne, on oublie. Donc on est plutôt basé maintenant sur des techniques liées à l'ADN et au séquençage des micro-organismes. Mais là, ce qu'on peut facilement découvrir, c'est ce qu'on connaît. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, c'est du point de vue de l'aménagement, on va dire aménager un milieu vivant, pour en tout cas des milieux vivants qui existent, des sols vivants qui existent et qui sont dans cette chaîne du vivant. Et quand on a des sols qu'il faut réaménager, l'objectif c'est de remettre en place les chaînes du vivant, justement, avec l'idée de la biodiversité, c'est ça, d'avoir de plus en plus d'organismes qui sont en interaction et justement qui sont capables aussi de faire face à des fortes chaleurs, de faire face, et plus il y a de vivants, plus malheureusement il y en a qui vont mourir, puis d'autres qui vont subsister, puis d'autres qui vont prendre le dessus. Et c'est ce qu'on essaye aussi d'installer quand on a cette mission d'être obligé d'aménager des milieux vivants, en fait. Et donc, essayer de chercher à mettre en place cette chaîne du vivant par rapport à un sol donné. Mais alors, si je comprends bien, Béatrice, ça veut dire que lorsque l'on pense sol et aménagement du paysage, il faut penser entrant du sol, c'est-à-dire des arbres, des feuillus, des haies. Enfin, voilà, si on veut une bonne qualité du sol, il faut une bonne qualité d'arbres ou en tout cas de végétaux qui vont se décomposer. Voilà, tout à fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on travaille en pluridisciplinarité, évidemment, avec des écologues qui sont capables de voir quelles sont les qualités des sols en place, qu'est-ce qu'on peut amplifier. Par exemple, on a fait un projet sur... à Carrières-sous-Poissy, qui s'appelle un grand parc, qui s'appelle le parc du peuple de l'herbe. Et ce sont les insectes, en fait, ce nom peuple de l'herbe. Et ce thème de parc, ce concept, en fait, il est venu entre l'écologue, le paysagiste, la maîtrise d'ouvrage. À un moment, il est venu parce qu'on a étudié le sol et qu'on s'est dit c'est un sol d'ancienne carrière dans lequel il y a la potentialité d'une steppe. Alors on va le rebooster dans ce sens-là. Et on va recréer une nouvelle chaîne du vivant qui, du coup, après, aura sa vie, se développe là complètement. Et donc, voilà un peu les méthodes. Et donc, on travaille aussi avec toutes les professions, tous les experts du vivant, on va dire, même le climatologue, en fait, qui pourrait, à un moment donné, dire ça ne sert à rien de planter trop ici, en fait, justement, peut-être... ou même si on est à l'échelle, parce que ce qui est intéressant avec le travail des climatologues aussi, c'est qu'ils sont comme tous les experts du vivant, en fait, je dirais, à toutes les échelles, en fait, et l'impact de toutes les échelles entre elles, en fait, et de se dire que finalement un problème qui est sur un mètre carré, c'est intéressant d'étudier aussi toute une vallée,
tout un territoire donné. C'est aussi, c'est pour ça que le concept des biorégions, il est très porteur, parce que c'est aussi des grands territoires sur lesquels il peut y avoir des influences en fait climatiques, des sols, voilà. Donc aussi travailler toutes les échelles et en pluridisciplinarité. Là, vous parlez du temps long aussi en parlant de sol. On est d'accord, pour faire un centimètre de sol, il faudra à peu près combien de temps? Je crois, tout à l'heure, on en parlait, on n'était peut-être pas tous d'accord, mais en moyenne. En moyenne, c'est dur à dire. En fait, c'est très variable. Donc, on va plutôt donner une fourchette. On va dire un centimètre de sol, c'est entre 200 et 2000 ans. Ça dépend beaucoup des conditions. Est-ce qu'on est sur des hauts plateaux où les conditions sont très difficiles et finalement il y a assez peu de vie? Est-ce qu'on est en fond de vallée où il y a déjà des éléments qui sont altérés, où ça va aller plus vite? Voilà, 200 à 2000 ans, c'est très variable, mais c'est très long. C'est un élément qu'on essaye de faire passer comme très important dans la fresque du sol typiquement, parce qu'en parallèle, une dégradation, on imagine un coup de pelleteuse. Un coup de pelleteuse, c'est 30 cm en 30 secondes. Donc c'est potentiellement 60 000 ans qu'on est venu dégrader en l'espace de 30 secondes. C'est déprimant. Et alors, justement, puisque ça ne se conçoit pas de la même façon, est-ce qu'on les classe, les sols? Est-ce qu'on dit, voilà, le sol urbain, il faut tant de temps pour le rénover, les sols de grande culture, il faut un temps encore plus long? Est-ce qu'on se dit que les sols de bord de mer, ils ne sont pas comme... Est-ce qu'on les classe? Les scientifiques passent leur temps à mettre les choses dans des boîtes. Donc, de toute façon, ils classent. Et les premiers pédologues, parce que c'est comme ça qu'on appelle les scientifiques qui étudient le sol, les premiers pédologues ont établi des classifications et une cartographie des sols qui était vraiment basée sur les grands climats, avec des types de sols associés donc aux zones équatoriales, aux zones de steppe continentale, aux zones de montagne, aux zones de bord de mer avec l'influence du sel. Donc ça, c'est vraiment les tout débuts de la pédologie. Moi, j'ai appris aussi la pédologie avec une classification qui est basée sur des critères donc de description du profil dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce profil, il est lié au fonctionnement du sol et à la formation du sol, ce qu'on appelle la pédogenèse. Et donc, oui, on donne des typologies de sol. Alors, les sols urbains, ils sont très, très influencés par l'homme. Donc, on appelle ça des anthroposols. Et après, on n'a pas des classifications type sol agricole ou bien sol forestier, parce que c'est pas l'usage qui permet de définir le type de sol. Mais le type de sol va définir un usage privilégié ou potentiel. Par exemple, souvent, les sols forestiers sont des sols soit moins facilement exploitables par l'homme parce que... en pente ou dans des fonds de cuvettes, ou alors des sols plus pauvres qui ne permettent pas l'agriculture. Et c'est les sols les plus riches, les plus fertiles qui ont été choisis pour l'agriculture. Donc voilà, c'est plutôt dans l'autre sens finalement. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'à un moment ça s'est inversé un peu? Voilà, parce qu'on a commencé par cultiver des terres qui étaient riches, et puis on a mis plein de pesticides dedans, et puis maintenant ils ne sont quand même pas forcément assez riches. Et on est en train d'essayer de se dire qu'il faudrait remettre de l'organique dedans. Et depuis tout à l'heure, ça fait plus d'une demi-heure qu'on parle. Aucun d'entre vous n'a prononcé le mot ver de terre. Moi, j'en reviens pas. Je pense que Christophe Gatineau doit se retourner dans son lit. Les vers de terre ont été évoqués. Mais ils ne sont pas tout seuls. C'est aussi ça qui est important de rappeler. Effectivement, ils sont emblématiques, mais ils ne sont pas tout seuls. Les pesticides, c'est une chose, mais ce n'est pas le seul problème des sols exploités de manière intensive. Il y a des problèmes de compaction, des problèmes d'érosion, des problèmes de structuration du sol, même en tant que tel, qui affectent sa fonctionnalité encore plus ou presque autant, moi j'ai envie de dire encore plus que les intrants chimiques. En fait, c'est pas tout à fait. Moi, je veux bien enjeux. Qu'on les détaille, hein, qu'on les détaille un peu, parce qu'on est effectivement sur. Le rapport qu'il y a entre le sol et la santé, et il me semble que ce qu'on met dans ces sols, le fait qu'on ne les structure pas, le fait qu'on les appauvrisse, ça a quand même un impact qui est non négligeable si on en croit les dernières études qui sont sorties. Alors déjà, dans le concept du lien avec la santé, il y a plusieurs choses à voir. Il y a la santé, notre propre santé avec les aliments qu'on mange, est-ce qu'ils sont sains ou pas. Après, lié à tout ce qu'on produit sur les sols, il y a plus globalement les questions de santé en termes de sécurité alimentaire. Et c'est là où, en fait, les deux notions, elles sont différentes. Parce que tout ce qui va avoir trait aux pollutions qu'on va mettre dans les sols, qui vont potentiellement peut-être se transférer
dans les légumes qu'on va consommer ou dans la chaîne trophique, ça peut remonter jusqu'aux animaux qu'on consomme. Effectivement, là, on va contaminer des aliments qu'on va ingérer, donc on peut avoir des impacts sur notre santé. Mais les sols qui vont être dégradés, qui vont perdre de la matière organique, qui vont être tassés, qui vont être érodés, qui du coup vont être moins productifs, ils mettent en jeu de façon plus globale la santé de tous pour des questions de sécurité alimentaire. Donc c'est deux notions différentes. Et puis après, il y en a une troisième qui est liée à l'appauvrissement des sols, d'une part, mais aussi à l'appauvrissement des variétés qu'on cultive, puisqu'on en cultive beaucoup moins qu'avant. On a une diversité qui est très faible de plantes qui sont cultivées. Et ces deux éléments-là conjugués, ça conduit, dans la littérature scientifique, hein, c'est un rapport qui a été publié par le département agriculture des États-Unis en 2014, qui indiquait que on constate, dans les plantes cultivées qu'on consomme, un appauvrissement, une carence en certains éléments, comme le fer, le zinc, qui sont essentiels à notre nutrition. Donc, en parallèle, on constate aussi, à l'échelle de la population, une carence en ces éléments-là, une sorte de faim inapparente. C'est un concept aussi qui est documenté et qui est lié, en fait, à ça, à l'appauvrissement des sols et à l'appauvrissement des plantes qu'on cultive dessus. Par rapport à ce concept de One Health, cette vision, c'est très intéressant, ces concepts, c'est important qu'on ait des concepts, on les utilise beaucoup en paysage, le concept de jardin planétaire. Pour chaque projet, on a des concepts qui sont porteurs, qui sont des visions communes qu'on peut partager sur des territoires, un village bosquet, enfin voilà. Et donc c'est vrai que ce concept de One Health, il est très important, et sur la sécurité alimentaire et les sols, moi j'ai quand même de l'espoir, parce que je trouve que depuis quelques années, c'est vrai que par rapport à la profession paysagiste qui a 50 ans, puisque c'est à peu près, oui, ce sera 50 ans en France sur les traces de Lenôtre, à l'école de paysage à Versailles, toute cette formation, tout notre apprentissage autour des sols, des devenirs de cette planète et nos enjeux de nourriture et de population. On est de plus en plus en train d'imaginer qu'on va pouvoir aussi aménager des territoires agricoles, avoir des projets agricoles. On a les PAT maintenant, des projets alimentaires territoriaux. Voilà, on sait qu'on commence à avoir des outils pour travailler tous ensemble sur des projets agri qui vont nous aider à faire passer ces messages d'agroécologie et à faire passer aussi toute cette connaissance des sous-sols qu'on partage de plus en plus, hein, quand même, on peut le dire. On s'est un peu amélioré, j'ai l'impression, depuis 5 ans, qu'il y a une explosion de ce sujet des sous-sols et de la biologie des sols aussi, avec le vivant et la biodiversité, qu'on a pris conscience que ça allait ensemble, en fait, et que ça pouvait nous nourrir aussi. Donc, un peu d'espoir quand même pour l'agroécologie. Ouais, on a Antoine qui va réagir, si tu veux réagir. Je voulais rebondir sur les projets alimentaires territoriaux, parce qu'effectivement, à l'ADEME, c'est un sujet qu'on porte aussi pour faire le lien justement avec ce concept de santé et de sécurité alimentaire. Parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait qu'il y a eu la sédentarisation, l'agriculture, les villes qui se sont installées, et au début, on cultivait sur les terres les plus fertiles, et à un moment, la tendance s'est inversée. Aujourd'hui, finalement, ce qu'on observe, c'est plutôt, enfin aujourd'hui et puis depuis pas mal d'années, c'est de l'étalement urbain. Et finalement, on vient grignoter les terres les plus fertiles. C'est le cas typiquement à Paris, hein, tout le pourtour de la plateau métropole, de Saclay, mais partout. Hein. Les terres agricoles qui sont consommées pour en fait un usage qui n'est pas le meilleur usage au regard des propriétés du sol, de ses caractéristiques ou de sa santé potentielle. Et donc c'est là où il faudrait inverser la tendance et intégrer dans les démarches paysagères, dans les démarches d'aménagement, un diagnostic de sol pour évaluer finalement ses propriétés, qu'est-ce qu'on peut en faire, et garder les meilleurs sols pour les meilleurs usages, les sols les plus perméables pour filtrer l'eau, pour éviter d'avoir des inondations, les plus fertiles pour cultiver, et peut-être les moins fertiles et les moins perméables pour construire. L'idée, ce serait de les classer aussi un peu par fonction, en fait, comme la fonction du sol, quoi, qui primerait peut-être sur le reste. Moi, j'ai une question là, on est entre nous, ça sort pas de l'Académie du climat. C'est quoi un sol fertile? Qu'est-ce qu'il lui faut? Parce qu'en fait, là, depuis tout à l'heure, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait qu'il y ait une interaction entre le vivant, de l'air. Je me dis que le sol forestier, bah, c'est le plus fertile finalement, puisqu'il n'a pas été dégradé. Si on est dans une forêt primaire, bah pour moi, c'est celui qui coche toutes les cases. Visiblement, c'est peut-être pas le cas. C'est quoi un sol fertile justement? Il n'y a plus de forêt primaire. Oui, il n'y en a plus. Mais qu'est-ce qu'il lui faut un sol fertile? Qu'est-ce qui le caractérise? Il y a trois
plusieurs composantes pour décrire la fertilité d'un sol. Il y a la fertilité biologique, dont on parle pas mal depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la richesse en éléments vivants dans ce sol. Et les trois éléments sont liés et s'interalimentent. Il y a la fertilité chimique. Quand vous mettez de l'engrais dans vos plantes, vous apportez de la fertilité chimique. Et là, ce sont des éléments minéraux qui vont servir de briques à constituer la matière végétale, donc de l'azote, du phosphore, du potassium et d'autres oligo-éléments. Et puis, il y a la fertilité physique ou structurale d'un sol. Parce que pour que le sol fonctionne, que la plante... Là, on a une finalité qui est beaucoup moins liée à l'humain, mais à la plante qui va se développer dessus quand on parle de fertilité. Pour que la plante puisse se nourrir, pomper de l'eau et respirer, il faut qu'il y ait justement ce qu'on appelle la porosité, c'est les vides et les pleins dont on parlait tout à l'heure. Et donc, la porosité, c'est ce qui permet à l'eau de circuler. Et c'est cette eau qui va être aspirée par les racines via l'évaporation au niveau des feuilles qui va constituer donc le moteur de la montée de sève et qui va permettre aux éléments minéraux d'être absorbés par la plante. Mais la plante, comme vous, comme moi en ce moment, elle respire. Et elle respire par tous ses organes. Et donc, pour respirer, elle a besoin d'oxygène. Donc, elle a besoin que dans la terre, il y ait aussi de l'air qui circule pour pouvoir avoir cette fonction de respiration. La fonction de respiration... dans une cellule, c'est ce qui permet de libérer de l'énergie chimique utilisable pour le métabolisme. Donc, c'est pas la ventilation pulmonaire qu'on connaît, nous. Ça, c'est de la ventilation, c'est pas de la respiration. La respiration, c'est dans les cellules et c'est pour avoir de l'énergie chimique. C'est un échange gazeux. C'est un échange gazeux. Enfin, alors, non, le bilan est un échange gazeux, mais c'est un procédé pour récupérer une forme d'énergie chimique utilisable. Ça veut dire donc que les machines agricoles qui sont de plus en plus lourdes et qui écrasent les sols les empêchent de respirer. Alors, elles réduisent fortement la porosité et donc cette compaction, c'est un problème pour l'oxygénation des racines et du vivant qui est aussi présent parce que les micro-organismes dont on parle depuis tout à l'heure respirent eux aussi pour la plupart. Antoine, et ça pose aussi problème pour la pénétration des racines. On va avoir des problèmes de compaction liés aussi aux racines dans un rôle mécanique. Oui, bien sûr. Et encore une fois, ça va finalement, ça va pas tuer le sol, mais ça va sélectionner des organismes différents et certains qui vont être capables de respirer via d'autres molécules que de l'oxygène ou d'autres qui vont se mettre à fermenter plutôt que respirer. Et donc les échanges gazeux vont être différents. D'accord, mais on a quand même le sentiment que ça aide pas beaucoup l'agriculture à résister aujourd'hui. Alors, pour rentrer un peu plus dans notre sujet quand même sur la santé humaine, comment vous voyez aujourd'hui, donc on parle d'échanges entre justement le vivant, l'air, la qualité de ce sol, où est-ce qu'on place l'humain là-dedans, en tout cas la santé de l'humain, et j'allais dire, puisque ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on mange, tu parlais de la plante, ben justement on la mange cette plante, et cette plante, eh ben, elle va nous faire du bien, elle va faire du bien à notre microbiote, normalement. Comment tu vois l'interaction entre cette plante qui la nourrit et puis notre microbiote? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez un petit peu? Moi, je suis très peu compétente en humain. Mais alors, si je peux raconter une petite anecdote quand même, c'est que je suis originaire de Franche-Comté et à l'université de Besançon, il y a des travaux qui ont été menés pour caractériser les terroir à comté. Donc, il y a toute une typologie des comtés qui a été établie en fonction d'arômes particuliers. Et ces arômes ont été reliés, on a voulu relier ces arômes à un terroir, donc à une description notamment du sol et des cortèges floristiques dans les prairies. Et il y a une très bonne superposition entre à la fois la description des parcelles avec leur exposition, leur substrat pédologique, le cortège floristique associé et les arômes. Et en regardant d'un peu plus près, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même certaines corrélations entre les micro-organismes présents dans le sol et la végétation et les micro-organismes qui colonisaient la surface du treillon chez la vache et ces micro-organismes qui étaient finalement retrouvés dans le fromage et qui donnaient des notes aromatiques au comté.
Donc il y a, la notion de terroir a finalement un sens scientifique. Mais là, je vais plus parler de plaisir que de santé. Encore que le plaisir participe à la santé en termes de santé globale. Hein, c'est un bien-être complet, donc on peut dire que le plaisir en fait partie. Oui, puis on peut supposer quand même assez aisément que si ça se traduit en saveur, ça se traduit en éléments nutritifs aussi. Mon élément nutritif, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec le rapport américain sur l'appauvrissement des qualités nutritives des végétaux. Et c'était l'objet de la Journée mondiale des sols il y a 2 ans. Sol et nutrition. Il y a tout un rapport qui fait un état de l'art sur ce sujet. Et effectivement, on voit qu'il y a un enjeu de qualité nutritive des aliments. Et au-delà de la qualité nutritive, sur les questions de pollution, et ça fera, c'est un sujet d'actualité en Île-de-France, il y a une étude là, qui est sortie il y a quelques semaines, presque un mois, sur les polluants persistants. Les PFAS, les polluants éternels, où il a été recommandé aux habitants d'Île-de-France d'arrêter de manger les œufs de leurs poules. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans des poulaillers qui sont contraints en espace, les poules finissent par picorer le sol. Et du coup, elles ingèrent petit à petit des polluants et les accumulent. Les poules sont connues pour être accumulatrices de ces éléments-là, donc on les retrouve dans les œufs. On voit que les polluants, ils se transfèrent comme ça dans la chaîne trophique et ils viennent jusqu'à nous. On retrouve des microplastiques dans nos aliments, dans notre eau. Ces microplastiques et ces nanoplastiques, ils viennent d'où ? Ils viennent de nos déchets. Déchets qu'on a mis à l'enfouissement, qui se sont répandus dans les écosystèmes, qui vont se dégrader petit à petit dans les sols, mais se dégrader, en fait, se détériorer en tout petits composés, qui vont se retrouver en solution dans l'eau, qu'on va retrouver dans nos réseaux, et ainsi de suite. Béatrice ? Moi, personnellement, j'ai eu une révélation quand j'ai commencé à apprendre à jardiner. Enfin, je pense que tous les êtres humains devrait obligatoirement à un moment donné faire un petit bout de potager, quoi. Et qu'on apprend énormément sur le vivant en faisant son propre potager et en faisant du compost aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui nous nourrit, cette terre. Et quand on le fait soi-même, on comprend les valeurs de cette terre et la manière dont on peut agir. Et je pense que l'avenir aussi serait qu'on soit vraiment tous des jardiniers planétaires, on va dire, et déjà à l'échelle de nos petites parcelles. Mais Béatrice, alors est-ce que tu mets des entrants dans ton jardin ou du compost ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, je suis parisienne, mais j'essaie de composter, de jardiner dès que je peux. Dans les campagnes familiales et j'ai beaucoup pratiqué le compost. Comme pour moi le compost c'est juste une merveille en fait dans nos projets, le compost il doit être au milieu, c'est très difficile de faire passer cette idée qui doit être centrale, on peut pas le mettre derrière, caché, loin. En fait c'est tellement la merveille, la préciosité qui doit être centrale, il doit être magnifié, on doit dessiner les espaces de compost et c'est ce qu'on essaie de faire dans les projets justement même de logement collectif, les rez-de-chaussée d'immeubles et les j'avais essayé comme ça de dessiner un compost un peu paysan où il y avait plusieurs tas qu'il faut travailler mais avec un espèce de petit quai où les habitants viennent jeter et on a réussi à faire passer ça dans un projet urbain dans Paris et ça marche très bien quand même et donc je pense qu'on est tous prêts à faire ça. En tout cas, dans les villes, dans les campagnes, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est sûr. Hein. Enfin, il y a quand même une génération qui ne s'intéressait pas au compost. Et nous, nos enfants, ils sont prêts. Donc ça fait plaisir. Je pense qu'il faut composter. Je propose qu'on continue parce qu'en préparant, en fait, on s'était dit qu'il fallait vraiment qu'on vous parle de la matière organique et de toutes les matières organiques. À toi. Je vais compléter sur la question du compost, et puis j'élargirai sur d'autres matières organiques, je te vois venir. Pour revenir aux fonctions écologiques du sol, il y a une des fonctions clés, c'est stockage, transformation, recyclage des matières organiques. Le sol, il fait ça en permanence, puisqu'il est issu du vivant et il est vivant, et donc toute matière organique qui meurt, elle sert d'aliment à d'autres êtres vivants. Et donc tout ça, ça boucle en permanence. Et effectivement, jusqu'à il y a très peu de temps, puisqu'il y a la loi AGEC qui a été promulguée, enfin qui rentre en application au 1er janvier là, le tri à la source des biodéchets. Donc vous avez vu être mis en place des points de collecte dans Paris, etc. Et puis ça va augmenter. L'idée, c'est de ramener au sol cette matière organique, chose qu'on faisait de moins en moins, qu'on avait peut-être oublié pendant un temps, puisque si on remonte peut-être 150, 200 ans en arrière, avant la mise en place des réseaux et puis l'installation des toilettes avec le tout à l'égout, toutes ces matières organiques, elles étaient valorisées. Elles retournaient au sol, et puis c'est des choses qu'on a perdues.
Et finalement, c'est aussi une des menaces clés sur les sols, c'est la perte de matière organique. Cette perte de matière organique, elle va réduire la fertilité, on l'a évoqué tout à l'heure, mais et voilà, elle va réduire de façon dramatique la stabilité structurale du sol. Parce que la matière organique, elle s'associe aux éléments minéraux, on va appeler ça les associations organominérales, et c'est ce qui structure le sol, c'est ce qui le stabilise, mais c'est aussi ce qui le nourrit, parce que ça a une charge physique, chimique, qui permet de retenir des cations, qui servent à nourrir les plantes. Donc en fait, quand on retire la matière organique du sol, le sol, il est beaucoup plus pauvre, pas juste en matière organique, il est plus pauvre de façon globale. Et donc toutes les matières organiques doivent revenir au sol, si on y pense de façon globale. Donc il y a effectivement le compostage des biodéchets, et il y a un enjeu aujourd'hui qui est encore pas assez traité, sur lequel la recherche se penche, c'est tout ce qui est collecte et utilisation des effluents humains. Puisque les effluents d'élevage, aujourd'hui, ils sont traités, ils sont utilisés, ils sont épandus sur les champs. Sauf qu'aujourd'hui, tous les effluents humains, ils ne sont pas du tout valorisés. Tout part en station d'épuration. Dans le processus, on a dilué, on a détruit l'azote. Et ce qu'on va récupérer en sortie de station d'épuration, c'est beaucoup plus pauvre que ce qu'on aurait pu valoriser à l'état initial. Moi, dans mes premiers projets en sortie d'école de paysage, j'avais eu affaire aux autoroutes et à des aires de stationnement et des aires de repos et des aires d'autoroute. Et on avait projeté, nous les jeunes paysagistes, on voulait faire des toilettes sèches pour toutes ces... On s'est dit, mais c'est une chance en fait, les aires de stationnement... C'est vraiment que ça, c'est que pipi caca en fait, et donc il faut qu'on l'utilise pour faire du projet en fait, et bah, on n'y est pas encore, hein, mais ça viendra. Généraliser les pendages, quoi. Alors les pendages des villes, ça va être drôle. D'accord. Il y a plein d'enjeux autour de ça, c'est quand même des sujets qui sont très compliqués, des équipes de recherche se penchent sur la question. On va dire que d'un point de vue agronomique, on sait qu'il y a un potentiel. Après, il y a plein de difficultés, il y en a une qui est, pour rejoindre la question de la santé, c'est l'état sanitaire de ces matières-là, puisqu'il va y avoir des bactéries fécales qui peuvent être aussi dangereuses pour nous. Donc il va falloir pouvoir hygiéniser pour ne pas risquer de remettre dans la chaîne des éléments qui sont dangereux pour nous. Il y a aussi des résidus médicamenteux, il y a des perturbateurs, des antibiotiques, voilà, il y a plein de médicaments. Donc il y a des enjeux de santé. Cela dit, il y en a déjà dans ceux des animaux. Effectivement. Et donc les chercheurs qui se penchent sur la question disent aussi que ce n'est peut-être pas l'enjeu principal, que si d'ailleurs on collectait à la source, on aurait des éléments qui sont plus concentrés, donc plus faciles à traiter, qu'une fois que c'est dilué dans nos réseaux avec 7 litres d'eau à chaque fois qu'on tire la chasse. Donc ce serait peut-être plus facile. Le plus gros enjeu qui va être à lever, c'est l'enjeu sociétal, accepter ce changement-là, passer aux toilettes sèches, et puis l'enjeu de la mise en place des infrastructures, parce qu'il faut quand même imaginer que sur des constructions récentes, neuves, c'est facile, entre guillemets, rénover des bâtiments et mettre ces systèmes-là en place, c'est quand même autre chose. Ah, c'est-à-dire sur 16 étages, oui, ça, on n'imagine pas encore. Alors il y a de l'habitat collectif qui se met en place, mais c'est du neuf. Il y a un projet de mémoire, je crois que c'est à Bordeaux, qui s'est construit ou qui est en cours de construction avec de la collecte et de la séparation de phases, mais c'est dans de la construction neuve. Alors que la majorité du parc bâti, voilà, il est déjà là, et comment on change ça? Je vais être un peu provocatrice, et alors il va falloir beaucoup de sûres, et donc les pauvres forêts, mais elles vont encore subir. Oui, mais c'est exact. Ça veut dire qu'il faut replanter des haies absolument, de toute urgence. Ça rejoint un deuxième enjeu qui est plus large sur les usages qu'on va avoir de la biomasse. C'est beaucoup plus large que le sujet actuel, mais qu'est-ce qu'on fait de nos biomasses? Et le mode d'exploitation de la biomasse associée. Parce que là, il y a un gros enjeu sur les sols aussi, au niveau de l'exploitation de la biomasse, la filière bois-énergie, par exemple. C'est toujours compliqué, ces questions écologiques, parce que on se dit que le bois est une ressource renouvelable, donc c'est bien, mais en même temps, le mode d'exploitation est assez dramatique pour les sols forestiers et sur le choix des peuplements aussi. Donc, voilà, comme c'est fait actuellement, c'est difficile de vouloir le promouvoir totalement. Si je peux rebondir sur ça, je te donnerai la parole. Ouais. Alors, il y a les enjeux de changement climatique qui impactent les forêts. Et du coup, ben voilà, il y a des maladies qui se développent plus du fait de la sécheresse et de la fragilité des arbres. Et puis, ben par contre, pour faire l'autre côté de la pièce, si on peut dire, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à un plan d'action au niveau national de préservation des sols forestiers. On travaille avec l'ensemble de la filière. Je dis « on » parce qu'à l'ADEME, on est en coordination de ce projet avec les ministères. Il est en cours de finalisation. Voilà, il n'est pas sorti. C'est encore en réflexion, mais il y a plein d'actions qui vont être mises en place
pour justement contribuer à la préservation des sols forestiers. Parce que voilà, on se rend bien compte que plus on va aller utiliser de la biomasse, plus il y a d'enjeux sur les sols, plus il y a de pression sur les sols forestiers. Et on le voit bien déjà que sur ces dernières années, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, les politiques de l'ONF ont changé aussi du point de vue des sols et sont beaucoup plus respectueuses et de la diversité de la forêt et du fonctionnement des sols. Bon, si sur les forêts publiques en tout cas. Si on se place du point de vue du sol, aujourd'hui, la santé des hommes, elle va tenir aussi beaucoup à la sécurité alimentaire et à la qualité alimentaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme solution agricole de changement aujourd'hui pour réhabiliter les sols qui sont censés nous nourrir, sachant qu'on peut déjà prévoir qu'on a 30% de notre alimentation en France qui vient de l'étranger. Quand ces pays-là vont se retrouver, pour des raisons climatiques, obligés de manger ce qu'ils produisent, nous aurons 30% en moins et il va falloir que nous nous nourrissions. Que peut-on faire pour nos sols aujourd'hui pour être en santé demain? On peut faire des immeubles à tomates des immeubles avec des tomates, non? Ça se fait ailleurs. Il y a beaucoup de travaux qui sont intéressants, qui peuvent porter aussi sur les territoires. Il y a les recherches, enfin les rapports du GIEC. À l'École du paysage et puis l'Agence Terre, on a travaillé avec une climatologue qui a écrit un rapport sur la manière de travailler les sols, en fait, le lien entre le climat et la gestion des sols et l'occupation des sols, en fait. Et ce rapport, il est super intéressant et très facile à lire. Et il présente en fait des propositions qui sont même des propositions d'avenir. Là, on sait que pour les 50 ans à venir, au niveau du changement climatique, ça va se réchauffer. L'eau va monter. Bon, ça, on sait, on ne peut pas changer les choses. Par contre, on pourrait dès maintenant changer les 50 ans d'après en travaillant nos sols en écosystème, à toutes les échelles, et considérer des territoires avec la forêt et l'agriculture en écosystème. Alors, on parle d'agroforesterie, mais ça peut être d'autres formes. Et donc, tout ça, ça peut se projeter, en fait. Il faut juste qu'on se donne les moyens. Justement, que disent les scientifiques ? Ils tournent en boucle. La matière organique. La matière organique, sous toutes ses formes, dans tous les éléments. Alors l'agroforesterie, c'est effectivement une solution parce que retour de matière organique au sol. C'est vraiment un élément clé. On a travaillé l'an dernier sur un dispositif expérimental autour de Montpellier sur une parcelle de céréales cultivées en monoculture et en agroforesterie. Et on voit, alors sur les bactéries pas trop, mais sur les champignons, une plus grande abondance de champignons dans la parcelle de céréales cultivée en agroforesterie. Donc le vivant est plus présent grâce aux apports finalement de matière organique de la forêt qui est au-dessus. Et en matière de rendement ? Un rendement moindre. Mais c'est un système jeune et je n'aurai pas non plus une réponse sur le long terme. Il y a de toute façon de la compétition qui va s'installer au niveau des systèmes racinaires. Si on a une vision à long terme, je pense que... Enfin voilà, il ne faut pas raisonner sur le rendement annuel, mais sur un rendement global sur plusieurs années avec des rotations aussi de culture et un système qui est pérenne. Parce qu'avoir un très très bon rendement une année, mais un système qui n'est pas pérenne, finalement, ça n'a aucun intérêt. Puis, on parle de résilience de l'écosystème, là aussi. Il faut intégrer aussi le rendement de la culture arboricole qu'on met en place. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement le rendement de la céréale, mais c'est aussi le rendement en bois ou le rendement en noix quand on met des noyers ou je ne sais quoi. Mais il y a les deux rendements à considérer sur la même parcelle. Il faut même considérer la multifonctionnalité de certains projets, d'avoir plusieurs activités agricoles sur un même domaine. Ça permet, c'est la diversité des activités qui permet la diversité des profits, en fait, aussi. Et ça, c'est vrai que... Et la sécurisation. Voilà, c'est un petit peu expérimenté, par exemple, à Villarceau, puisqu'il y a cette expérimentation d'agriculture biodiverse. Il y a plein d'expérimentations qui sont intéressantes quand même, hein, on le sait. Mais est-ce que ça a un impact sur le goût
sur le goût de ma tomate, sur ses qualités nutritives. Parce qu'en fait, la question qu'on a envie de se poser, mais je vous la pose parce que j'ai envie de vous taquiner, c'est finalement ce sol, au-delà de la fonction qu'on lui prête, en agriculture, en tout cas pour nous nourrir, est-ce que j'ai besoin de ce sol finalement? Est-ce que ces éléments nutritifs, on ne peut pas les recréer en laboratoire, faire un sol de synthèse, faire pousser des tomates dans mon immeuble? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Alors avant de répondre à cette question-là, j'aurais voulu compléter un élément de ta question, Isabelle, sur qu'est-ce qu'on fait si demain, effectivement, ce qu'on produit à l'étranger, on ne peut plus le consommer, nous. Parce qu'il y a deux questions dedans. Il y a la question de refonctionnaliser nos sols pour qu'ils soient plus productifs. Et puis, il y a quelle quantité de sol on consomme de façon plus globale. Là, ça rejoint la question de sécurité alimentaire plus globale. On a accompagné des travaux d'évaluation de l'empreinte sol des régimes alimentaires pour, on va dire, un Français moyen. En fonction des régimes alimentaires, moins on mange de viande, moins on consomme de sol. Un vegan va consommer à peu près 1200 m² de sol annuellement. Un gros consommateur de viande, on va dire 170 grammes de viande, un peu plus de 210 grammes par jour, on est autour de 5000 m². Et du coup, on estime là-dedans qu'à chaque fois qu'on enlève 10 grammes, on retire 200 m². Donc on voit qu'il y a aussi des leviers, au-delà des pratiques agricoles qui sont bénéfiques pour la santé des sols, il y a des leviers très simples, simplement sur l'usage des terres qu'on va avoir. Changer ce qu'on met dans l'assiette, c'est libérer des sols. Sachant qu'en plus, ce n'est pas forcément bon pour la santé de consommer trop de viande. Mais l'élevage a quand même un rôle sur la structuration du paysage. Donc il faut aussi garder en termes d'interface, de mosaïque de milieu et de biodiversité. Tout à fait. Et puis sur les bouclages des cycles, mon propos n'était pas de dire qu'il faut être tous vegan. On a fait une étude qui montre le gradient en termes d'empreinte sol. Par contre, il y a aussi des verrous qui sont identifiés. C'est que si jamais on imagine qu'on retire tout l'élevage, ben on retire aussi tous les effluents d'élevage, qui sont en fait un facteur clé de fertilité des sols. La matière organique qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il y a un équilibre à trouver dans ce qu'on met dans l'assiette pour consommer moins de sol, mais aussi entretenir les paysages. Et puis avoir une fertilité organique qu'on peut ramener au sol. Par rapport au goût, moi je pense qu'il faut qu'on soit aussi de plus en plus attentif au goût de nos légumes, enfin qu'on réapprenne à aimer les légumes qui ont du goût, quoi. Et il faut qu'on soit tous ensemble autour de ça et qu'on coopère, quoi. Donc moi, je trouve que vraiment les AMAP, c'était quelque chose de très intéressant. On coopère, on aide un agriculteur, on est toute une communauté à participer à cette activité agricole. Et puis, il y a plein d'autres formes aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus exigeant et qu'on reconsidère vraiment les goûts des légumes comme quelque chose d'extraordinaire. Personnellement, je trouve que faire une super salade, c'est très dur. Enfin, de dire de la semer jusqu'à la manger. Et puis, il faut la suivre. En plus, il y a plein de limaces. C'est hyper compliqué quand même de faire une salade. Moi, si je faisais des salades, je les ferais payer 50 euros l'unité. Hein. Et donc, il faut qu'on revalorise aussi nos produits, notre agriculture, et que ce soit ces légumes, que ce soit un peu la base. Il faut qu'on soit plus exigeant. Et puis, d'un autre côté, pour revenir à l'artificialisation, il faut aussi qu'on accepte un peu, si on veut vraiment désartificialiser les sols en ville, changer de monde, quoi, pour de vrai, par rapport à ces propositions. Parce que c'est pas zéro artificialisation, en fait, c'est pas très intéressant comme concept. C'est plus intéressant de dire mieux vivre, mieux respirer, mieux manger. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on explique à tous les citoyens et qu'on mette dans nos projets communaux, intercommunaux, et qu'on accepte que les villes deviennent aussi un peu plus sales, un peu plus avec des sols vivants, avec des sols qui sont pas toujours très bien plantés, mais il y a du vivant quand même, avec des espaces de nature qu'on laisse pour la nature. Il faut qu'on accepte aussi, faut qu'on change de point de vue aussi esthétique et hygiéniste par rapport au vivant et à la nature. C'est pas sale, la terre. Et puis les herbes folles, c'est pas un espace non entretenu non plus. Mais quand on a les mains pleines de terre, on n'a surtout pas les mains sales. On n'a pas répondu sur la... Non, mais t'as le droit de ne pas répondre sur mes tours.
Ah, bah alors, parce qu'on parle quand même de géo-ingénierie et on voit quand même qu'on prend, enfin, certains pays commencent à prendre ce versant, hein, ce tournant vers une nouvelle forme d'agriculture urbaine, en tour, en silo, avec des animaux parqués dans des immeubles. Je sais pas, est-ce que l'avenir de l'agriculture passe par cette nouvelle forme d'agriculture hors sol? Est-ce que l'avenir passe par cette forme tout court? Moi, j'ai un regard d'écologue là-dessus. Un milieu vivant, c'est un milieu qui est fait de contraintes liées à l'environnement sur le vivant et d'événements soudains, des tempêtes, des épidémies. Et quand on a sélectionné une espèce de plante, d'animal, qu'on a optimisé son élevage ou sa culture, ça va être aussi un système très, très sensible à la moindre perturbation. Et donc là, c'est un système qui ne sera pas du tout durable dans le temps, pour lequel il n'y aura aucune résilience. Le moteur de la résilience et donc de la résistance dans le temps d'un système, c'est la diversité. Parce qu'on a parlé de fonctions beaucoup ce soir, mais une fonction, elle peut être assurée par différents organismes qui vont prendre le relais l'un de l'autre. Parce qu'une plante avec un sol, avec une communauté microbienne associée à ses racines, elle va trouver de l'aide pour se nourrir, mais elle va aussi abriter des populations qui vont la protéger contre les pathogènes. Dans ce système totalement artificiel, on perd tout le bénéfice des interactions et on va devenir beaucoup plus sensible à un ravageur extérieur qui va décimer l'ensemble de la population et mettre en jeu toute la sécurité, finalement, du système et des humains qui sont derrière ce système. Donc en termes de résilience, pour moi, c'est une solution catastrophique. Mais pour compléter sur cette question-là, ça dépend aussi des situations. Typiquement, sur ces modèles d'agriculture urbaine très technologiques, il y a deux choses à ne pas mélanger, parce qu'il y a les méga-fermes-usines chinoises qui vont faire des milliers ou des millions de cochons dans des immeubles. Là, pour le coup, quand on repense ce qu'on doit mettre dans l'assiette, bah, effectivement, peut-être pas ça. Sur l'agriculture urbaine, sur le végétal qu'on va cultiver en ville, de façon technologique ou pas, déjà, il y a deux modèles très différents. Il faut se poser la question de où est-ce qu'on est. Si on est à Singapour, dans un milieu où il n'y a pas de terre, où c'est extrêmement dense au niveau urbain et où il y a beaucoup d'habitants, peut-être que dans cette situation, il vaut mieux à un moment produire une partie des aliments en milieu clos au cœur de la ville que importer des aliments de l'autre côté de la planète. Quand on est en France et qu'on a 28 millions d'hectares quasiment de terres agricoles, le mieux c'est peut-être de protéger les terres agricoles et produire notre alimentation plutôt que de faire une agriculture urbaine très technologique. Ce qui n'empêche pas d'avoir des modèles d'agriculture urbaine qui sont tout à fait durables, parfois même en pleine terre, au cœur des villes, parce que là, ça vient recréer du lien social, ça vient ramener de la nature en ville, des aliments en circuit court, même si en volume, on ne va pas nourrir Paris avec de l'agriculture urbaine, de façon assez diversifiée. Mais par contre, même dans un contexte, dans un concept global de santé, aller cultiver un peu son jardin, ce que tu évoquais tout à l'heure, on devrait tous composter, cultiver un peu son jardin à un moment. Mais en fait, c'est lié à ça. On va sortir, on va cultiver un moment, on va prendre l'air, c'est bon pour la santé. C'est pas prendre sa voiture pour aller au supermarché. Donc ça rejoint le concept global de santé unique. Et on va entretenir les corridors écologiques. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé des corridors. Il y a un travail qui a été fait par Sébastien Marot, qui est un historien du paysage, sur les futurs de notre monde, les futurs entre la ville et l'agriculture. Donc il y a plusieurs scénarios. Enfin, il y a beaucoup de structures qui font des scénarios sur le futur alimentaire, sur le futur. Et tout ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte, tu parlais de diversité, qu'il faut une diversité pour notre futur. Certainement, il faut quand même une diversité de projets aussi. C'est pas que la technologie ou des innovations qu'on pourrait coller les unes à côté des autres qui vont faire le monde de demain. C'est surtout, et la vraie innovation, ça va être des dynamiques de territoire, des dynamiques humaines, des dynamiques écosystémiques. Et donc, il pourra fleurir plein de projets, en fait, dans lesquels il y aura peut-être des fermes urbaines par endroit, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a une dynamique, en fait. Il faut qu'on suive aussi un petit peu les dynamiques et les coopérations possibles sur les territoires avec son existant. Voilà.
Alors, Gaël, attends, juste, je te redonne le micro. Gaël, tu nous introduis quand même le rôle du microbiote, finalement, sans le dire. Mais là, tout à l'heure, on va essayer d'avoir en visio avec nous le docteur Pierre Souvé. Qui va peut-être nous parler justement d'une expérience en Finlande où justement ils se sont amusés à essayer de verdir, de faire le comparatif entre deux cours d'école, une cour qui a été que l'on a verdi et l'autre que l'on a laissé complètement artificialisée. Et en fait, ils se sont rendus compte au bout de quelques temps, mais je crois très rapidement, qu'en fait les élèves de l'école qui bénéficiaient d'un verdissement de leur cours, eh bien, avaient vu leur microbiote complètement changé, le microbiote non seulement intestinal, mais aussi le microbiote de la peau, le microbiote corporel de ces élèves. Le fait de vivre, d'être dans une cour qui était végétalisée et qui était verte, avait un impact significatif sur leur microbiote et donc sur leur santé et donc sur leur défense immunitaire. Évident. Heureusement qu'on réalise ça aujourd'hui. Ça paraît tellement évident et logique. Alors, on peut peut-être rappeler en deux minutes quand même ce que c'est que le microbiote. Il est... Peut-être que Pierre va nous, va nous le dire, ce que c'est que le microbiote, justement. Si on peut l'entendre, oui. Si on peut l'entendre. Alors, attends. Attends, Pierre, on va t'entendre. Bon, rapidement, le microbiote, c'est quand même ce qu'on a dans notre intestin. C'est cet écosystème très riche et qui est alimenté par ce qu'on mange et la manière dont on vit et qui est en lien assez régulier avec notre cerveau et tous les organes de notre corps. Et donc, ce qu'on ingère a nécessairement des conséquences sur le microbiote. Pierre ? Oui ? Oui, mais on ne l'entend pas encore très bien. Et en fait, c'est quelque chose de très fragile, le microbiote. Je discutais de ça il n'y a pas très longtemps avec Marc-André Sellos, qui me disait, lui, que quand on prend un asiatique qui a toujours vécu en Asie, qui est un microbiote composé de beaucoup de produits à base de fibres. Il passe 3 mois aux États-Unis. Au bout de 3 mois, il a un microbiote d'Américain. Donc, c'est un élément qui est très lié à nos modes de vie. En tout cas, sur la santé, il y a des textes très intéressants qui ont été traduits du paysagiste Homestead, qui a fait un Central Park et qui écrivait sur les comportements humains et ce qu'il observait à son époque. Et il observait et il préparait ses projets de jardin et de parc en observant les humains. Et il se disait, là, il faut qu'il a inventé des concepts de parkway, c'est les rues plantées, les avenues plantées. Il disait, quand on a une perspective avec des arbres et une avenue plantée, qu'on traverse un parc pour aller quelque part, on a une perspective dans sa vie qui est beaucoup plus favorable. Quand on traverse une rue où il n'y a aucun végétaux qui est très sombre, on a des perspectives sombres et des attitudes sombres. Donc en fait, cette relation aussi sur nos attitudes, elle est décrite en fait. Et c'est pour ça que notre entour, notre environnement, il est hyper important en fait. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on crée notre espace de l'entour qui soit tout le temps extrêmement accueillant pour le vivant en fait. Alors, est-ce qu'on se rapproche du moment où on va avoir... Et donc, on ne travaille pas assez encore aussi, je trouve, avec la médecine, avec les médecins, sur cette question de la santé et de la manière dont on consomme notre espace, en fait. Et là-dessus, il y a des choses à faire, effectivement. Alors, il y a des pays dans lesquels les médecins commencent à mettre sur leurs ordonnances des recommandations de balades en forêt, des recommandations de marche dans la nature,
des recommandations de paysages dans les chambres d'hôpitaux, dans les bâtiments qu'on construit pour accueillir des groupes collectifs. C'est vrai que moi, personnellement, je partage mon temps à l'école de paysage à Versailles, qui se trouve dans le potager du roi, et d'aller dans ce jardin, en fait, de passer du temps dans ce jardin, de travailler là-bas comme lieu de travail, on va dire. Ça, à chaque fois que j'ai passé une journée là-bas, même si c'était compliqué, parce que c'est un établissement public, il faut tout gérer, etc., le soir, il y a un sentiment de bien-être, parce que j'ai vu du ciel et j'étais dans un jardin. C'est évident, en fait. Je ne sais pas comment le mesurer, mais ça me paraît évident. Alors, si on résume le sol et la santé des humains, si on voulait faire un lien le temps que le docteur soit audible, qui veut se lancer dans un résumé ? Un résumé intégral, peut-être pas, mais il y a peut-être un élément pour synthétiser tout ça et remettre au cœur la question de santé unique, de One Health, c'est qu'en fait, on parle d'ailleurs depuis tout à l'heure de biodiversité, nous humains, et on parle de la biodiversité, et rien que ça, dans ce concept-là, on se sort de la biodiversité, et en se mettant à l'extérieur de la biodiversité, bah finalement, on se sort du système, et après on s'étonne de voir les impacts qu'on peut avoir sur les écosystèmes. Donc repenser l'homme au cœur de l'écosystème comme faisant partie de cette biodiversité, bah finalement c'est repenser qu'est-ce qu'on met dans nos sols, qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes, pour être en bonne santé, comme le reste des maillons, des chaînes trophiques. Donc arrêter de se regarder comme un élément extérieur qui exploite les écosystèmes, mais comme étant faisant partie du tout. Et le concept de santé globale, ce n'est pas uniquement la santé humaine en tant que rapport au corps et au fonctionnement du corps, mais c'est aussi un concept de santé à l'échelle sociale, sociétale, environnementale. C'est beaucoup plus large. Et justement, ça replace l'humain comme un être vivant parmi d'autres dans l'écosystème. Et ça permet aussi de voir les choses de manière un peu plus humble et de réfléchir en fonctionnement des écosystèmes en tant que tels et pas vis-à-vis de nos usages et de nos besoins à nous. Ça répond pour partie à la question de faut-il élever des cochons dans des tours. Pour revenir aux écoles... au cours Oasis, à toute cette dynamique d'aménagement des écoles, on est super contents. Enfin, franchement, il était temps, vous rendez compte, ça fait 20 ans qu'on devrait faire ça. Enfin, dans les pays nordiques, toutes les écoles, tous les jardins des écoles sont en lien avec la nature, avec le vivant, avec la biodiversité, avec les éléments, avec le pouvoir toucher l'eau, pouvoir salir ses bottes, pouvoir... jouer avec du bois, avec des éléments comme ça, toucher la matière, en fait, c'est quelque chose qui... Enfin, on était vraiment en retard, quoi. Là, c'est pas une innovation, c'est un gros rattrapage qu'on est en train de faire avec tous ces projets-là. Et pour aller plus loin, j'ai envie de voir aussi... Vous m'entendez, hein ? Oui. Ah, c'est mieux. Ouais, bon, voilà. Alors, c'est pas Anastasia, hein. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vous appelle de Marseille, moi à côté. Est-ce qu'il fait beau à Paris au moins ? Non. Il neige. Donc, j'ai pas bien entendu, mais je vais vous livrer. D'abord, vous aurez sur le site internet du CRESC, qui est le Comité régional d'éducation à la santé. J'ai fait une visio avec des diapos scientifiques sur les liens santé-biodiversité. Donc forcément, on parle du microbiote. Je voulais juste vous dire que le microbiote, il est évolutif. On l'a vu avec cette étude dans les cours d'école. Alors, ce n'est pas que lutte contre les îlots de chaleur dans l'école, amélioration du lien social, parce que nous, à l'ancienne, le terrain bétonné de l'école, c'était les mecs qui jouaient au foot, qui prenaient l'ensemble de la cour, et puis il y en a qui étaient exclus sur les côtés. De recréer de la biodiversité dans la cour d'école, ça améliore aussi l'aspect social et personne n'est exclu de cette cour d'école. Et d'ailleurs, dans la définition de la santé, je vous rappelle qu'il y a le bien-être, c'est pas seulement donc, l'absence de maladies, d'infirmités, mais le bien-être physique, mental et social. Hein. Et j'ai entendu parler de One Health.
Nous, à la CEF, on est alliés en fait aux vétérinaires, à la Fédération des syndicats de vétérinaires, à l'Union de la conservation de la nature, à France Nature Environnement, justement, parce qu'on ne peut plus parler santé si on ne parle pas de la santé animale, des écosystèmes et leur équilibre et la santé humaine. Tout ça est lié. Et d'ailleurs, il y a 200, les 200 plus grandes revues médicales au monde ont fait, il y a quelques semaines, un appel à l'OMS sur l'urgence sanitaire mondiale qui nécessite de traiter ensemble le climat, la perte de biodiversité et les pollutions. Donc, c'est clair, il faut avoir une vision globale et pas simplement centrée sur le soin. Voilà, ah, voilà, je vous vois. C'est un bel endroit, hein, là où vous êtes. Hein. Et donc, il y a une autre étude sur des jumeaux, par exemple, en Russie, et qui habitaient en Russie et en Finlande. Et en fait, en fonction de leur environnement immédiat, ben, le jumeau finlandais, en l'occurrence, c'était le finlandais, avait un microbiote qui était de bien meilleure qualité que celui qui a, que le même jumeau qui habitait en Russie, juste à côté de la frontière. Et donc, voilà, le microbiote peut s'améliorer, peut évoluer. Et donc, il faut absolument, donc c'est un élément essentiel de l'immunité. Ça me fait toujours rire quand on croit que le cerveau est déconnecté de votre tube digestif et du corps. Non, ben, il y a tout qui est relié. Et donc, c'est extrêmement important de le valoriser. C'est Marc-André Sellos que vous invitez quelquefois, je crois, est un brillant orateur pour expliquer tout ça. Il y a aussi Gilles Boeuf, l'ancien président du Musée d'histoire naturelle, qui dit que nous, on vient de la nature. Hein, on a 30% d'ADN commun avec la banane. Non, avec les algues, pardon. La banane, c'est 70%. Et d'ailleurs, dans notre sang, hein, vous avez vu, il y a du sel, il y a du chlore, hein, c'est comme l'eau de mer. Donc, on a un lien, et il y a d'ailleurs de l'ADN qui est lié à la méthylation, donc qui va s'exprimer suivant la méthylation, c'est l'épigénétique, en lien avec le contact avec la nature. Et cet ADN est lié au quotient intellectuel. Et d'ailleurs, il y a même une maladie qui s'appelle le trouble déficitaire de la nature, justement par l'absence de contact avec cette nature. Donc voilà, donc l'idée c'est tout doit être traité ensemble. Donc c'est la vision ONF qu'on essaie de défendre au niveau du plan national santé environnement. C'est pas toujours simple, surtout en ce moment où tous les conseillers sont partis, tous les contacts qu'on avait sont partis quasiment, et il faut tout recommencer à zéro, et c'est très pénible. Mais je voulais, si vous le permettez, vous parler du cadmium dans les sols. Oui. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire du cadmium dans les sols? Le cadmium, pour ceux qui n'ont pas entendu, le cadmium. Le cadmium, C-A-D-M-I-U-M. Alors le cadmium, c'est un métal lourd cancérigène, donc au début ça a été assez cancérigène pour le poumon chez les travailleurs exposés à ce métal. Il se trouve qu'en France, Santé publique France a donné l'alerte il y a 3 ans déjà, en 2021, ouais. La moitié des Français, dont 18% des enfants, sont surcontaminés en cadmium, en comparant avec les études dans les autres pays du monde. Donc par exemple, on a, nous adultes, en moyenne, 4 fois plus de cadmium dans le sang que les Américains. Le cadmium en plus reste dans votre organisme, il va stocker dans les reins notamment, et il ne s'élimine pas, ou très très doucement. Et donc, l'ANSES a donné une valeur référence, et donc on s'aperçoit que la moitié des Français est surcontaminée, dont 18% des enfants. Alors d'où vient ce cadmium? Il peut venir du tabac, mais en l'occurrence, l'enfant de 16 ans qui était la plus contaminée des 2500 prélèvements qui avaient été faits, ne fumait pas, ni ne manger de coquillages, puisque, évidemment, dans les coquillages, vous savez que ça ramasse les métaux lourds et qu'il ne faut pas se gaver d'huîtres, sinon que arsenic, cadmium, de mercure, vous avez toute une série, donc il faut pas. Mais dans 50%, la contamination venait de votre alimentation courante. Alors de quoi? Des pommes de terre, des céréales, et d'ailleurs, Santé publique France disait que c'est les céréales du petit déjeuner qui contaminent les enfants. De tous les produits de panification, et toujours cette adolescente qui avait un taux énorme, en fait ne mangeait que des pâtes, des patates et du pain. Donc produits de panification, pommes de terre, céréales, un petit peu les légumes branches comme les épines. Alors comment ça se fait qu'en mangeant ces éléments de base, donc moins les fruits et les légumes, comment ça se fait qu'on se contamine au cadmium alors que les Allemands c'est beaucoup moins, les Américains c'est 4 fois moins, chez l'enfant alors c'est quand même 10 fois moins? Eh bien, en fait, c'est présent dans ces céréales à cause des engrais phosphatés. Donc, vous savez, on met des nitrates, des phosphates, du potassium. Et ces engrais phosphatés, suivant les gisements dans le monde,
présente un taux de cadmium plus ou moins important. Les moins importants au monde, c'est la Russie. Ben, ça tombe mal, hein. C'est le Brésil, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Chine, la Finlande qui a un taux extrêmement. Et les plus forts, ben, le plus fort, c'est dans l'Idaho aux États-Unis. Mais nous, on achète au Maroc. Et au Maroc, on n'est ni très très haut, ni très très bas, mais on est élevé. Élevé. Donc, on a un marché géopolitique préférentiel avec le Maroc. Et donc, les agriculteurs épandent ces engrais dans l'agriculture conventionnelle. Le cadmium se fixe dans le sol et ne peut en ressortir que dans la plante, un peu par le lessivage des eaux. Hein. Et donc, remonte dans la plante et contamine les aliments. Donc, là-dessus, Santé publique France nous dit « Attention, c'est un problème sanitaire important. En effet, c'est lié au cancer poumon, donc, du sein, du rein, puisque ça s'accumule dans le rein, et du pancréas. Le cancer du pancréas, nous sommes en France dans les 10 premières incidences au monde de cancer du pancréas. Chez la femme, ça augmente de 3,7% par an et de 2,8% par an d'incidence. On était à 10 000 en 2010, on est à plus de 15 000. Un cancer éminemment mortel, comme vous le savez tous. Et donc, dans les 10 premières incidences au monde. Alors, quand je vois en compte des conseillers, je leur dis, mais comment vous m'expliquez qu'on est dans les 10 premières incidences au monde? Évidemment, si vous fumez, ce n'est pas une bonne idée parce que ça augmente votre taux de cadmium. Mais, et donc, dans 50%, ça vient de l'alimentation. Donc, l'idée, c'est de réduire la quantité de cadmium présente dans les engrais qu'on épand dans l'agriculture conventionnelle. Le gouvernement lance une consultation publique à la fin de l'année en disant, nous allons réduire la norme qui était en France à 90 mg kilo à 60 mg kilo, qui correspond à la norme européenne. Mais l'ANSES nous dit, pour décontaminer les Français, d'arrêter de les surcontaminer, parce que cette contamination de 50% de la population, elle a augmenté des deux tiers par rapport à une autre étude il y a 2010 qui s'appelait l'étude nationale nutrition santé. Donc notre contamination augmente. Donc le gouvernement veut passer de 90 à 60 à la norme européenne. Sachez qu'en Europe, il y a déjà des pays, la Hongrie, la Slovaquie, la Finlande, qui sont à 20 mg kilo. Et l'ANSES nous dit, pour décontaminer les Français, il faut tomber à 20 mg kilo. Et donc, le gouvernement propose, non pas de passer à 20 mg kilo, mais de passer à 60 mg kilo, donc ce qui n'arrêtera pas la surcontamination des Français. Et là où c'est extraordinaire, il rajoute, mais nous allons proposer 2 grammes à l'hectare. Vous voyez, c'est plus par kilo, c'est par hectare. Et 2 grammes à l'hectare, d'après l'ANSES, ça correspond en effet à 20 mg kilo. Ah, j'ai eu du mal à comprendre. Vous proposez 60, mais aussi 2 grammes à l'hectare, c'est-à-dire en fait 20 mg kilo. Comment l'agriculteur va arriver à mettre 2 grammes à l'hectare, sachant que sur les paquets d'engrais, il n'y a pas écrit s'il y a 20, 25, 30, 35, 40. Il y a écrit un tampon communauté européenne qui veut dire qu'il respecte les 60 mg kilo. Donc l'agriculteur jamais ne pourra savoir s'il tombe à 2 grammes à l'hectare, c'est-à-dire une valeur qui permettrait aux Français d'arrêter de se contaminer avec tous ces risques, notamment de cancer en plus, mais aussi de fertilité. Le président a parlé de fertilité, mais ça altère la fertilité, la mobilité des spermatozoïdes. Il y a beaucoup d'études sur la fertilité humaine. Et donc c'est inapplicable. Donc j'ai expliqué dans le communiqué de presse qu'on a fait que, ben, à ce moment-là, et dans les agriculteurs, parce que l'idée, c'est qu'en fait, si on achète ailleurs, plus loin, au Brésil, en Afrique du Sud, les prix vont augmenter, tout simplement. Et donc, pour une histoire de coût pour les agriculteurs, qui sont pour la plupart en difficulté, eh ben, donc ça n'avance pas. Sachez que dans le bio, il y a à la fois en moyenne, d'après une étude qui s'appelle Baranski, 4 fois moins de pesticides et 2 fois moins de cadmium. La première année sur le champ de patates qui passe du conventionnel au bio, le cadmium qui est dedans, il va remonter dans la patate. La première année, il y en aura autant. Mais petit à petit, il y en aura de moins en moins. Donc, quelle solution? En attendant que le gouvernement veuille bien tomber à 20 mg kilo et à 2 grammes à l'hectare avec un affichage clair sur les paquets d'engrais, ce qui nécessite une demande d'exemption européenne, parce que comme la norme européenne est à 60, il faut une demande spéciale. Eh bien, en attendant, ben, vous ne fumez pas, ça vous savez que c'est pas bien. Vous évitez de vous gaver de moules et d'huîtres. Et chez vos enfants, vous achetez des céréales bio.
Et puisque socialement, ce n'est pas toujours facile, eh bien, vous ne vous gavez pas de pain, de pâtes et de pommes de terre. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour vous dire, limiter votre intoxication, qui est un problème, que dit Santé publique France, un problème de santé publique. Et d'ailleurs, l'ANSES et Santé publique France ont écrit au gouvernement pour dire la même chose à nouveau à la fin de la consultation publique, d'après des sources bien informées, comme on dit chez les journalistes. Merci. Merci, voilà. Pierre. Merci pour ton intervention, pour votre intervention. Ne partez pas. On va donner la parole à la salle. Oui. Maintenant, on va vous remercier tous les trois pour le moment. Mais ils vont répondre aux questions. Attends, je vais passer le micro. Voilà. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais il y avait un grand absent avant l'intervention du médecin. C'était les agriculteurs français, plus précisément leur syndicat. Comment veiller à la santé des sols, comment restaurer des sols, alors que le modèle économique de l'agriculture française est un modèle d'agriculture intensive, et que, disons-le quand même, comme disait l'un d'entre vous, nous sommes entre nous, comment faire face au syndicat, face à la FNSEA qui bloque finalement toute évolution positive de l'agriculture? Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la Bretagne ce soir. Qui veut répondre? J'aurais pas une réponse simple à cette question, mais comment faire? On peut promouvoir les systèmes alternatifs. Accompagner d'une part la recherche pour trouver des innovations et puis accompagner la mise en place de ces systèmes-là. Et puis à l'échelle des citoyens, il y a agir avec ce qu'on achète. C'est-à-dire que c'est quand même le portefeuille qui décide finalement aussi le système productif. Donc quand on en a les moyens, s'orienter vers des produits qui sont issus de systèmes dont on sait qu'ils ne sont pas basés sur une destruction des sols. Ce que tu évoquais tout à l'heure, aller vers des AMAP par exemple, ça peut être tout à fait bénéfique. Ça ne résout pas forcément tout le problème et ça ne répond pas à votre question, mais il y a des solutions, chacun à son échelle, qui sont envisageables. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on reparle de la politique agricole commune, on parle de connaissance des sols, mais il nous faut aussi, à nous, tous les citoyens, qu'on ait plus de connaissances sur cette politique agricole commune, son histoire, comment elle s'est créée, à quel moment, pourquoi, parce qu'on avait des sols fertiles, d'abord, la France, surtout. Et donc, cette force qu'on a en France, il faut qu'on la travaille, en fait, il faut qu'on la connaisse. Qu'on la connaisse mieux. Donc cette politique agricole commune, les bénéfices qu'elle avait au départ, ce beau projet en fait, qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi ça a dérapé? Pourquoi ça a dérapé sur dans tous les domaines en fait? Et en fait, ça tient à quoi? Ça tient à qui? Qui a le droit de l'écrire? Est-ce que les citoyens ont le droit de donner notre avis? Je pense qu'il faut qu'on s'informe, il faut qu'on se bouge sur ce sujet-là et qu'on réfléchisse à une politique agricole commune, évidemment, je vais dire de paysage parce que c'est mon sujet et que je pense que ça aide à clarifier les choses, d'avoir une vision globale. Voilà. Pour moi, c'est une question qui est même beaucoup plus large que le système agricole. Quand on replace l'humain au centre de l'écosystème, on voit bien que le fonctionnement des sociétés n'est pas durable et ne permet pas justement un bon fonctionnement. Donc au-delà de l'agriculture, c'est tout le système de valeurs sociales et d'organisation des sociétés humaines qu'il faut revoir en termes de production et de consommation. C'est bien plus large que l'agriculture. Et là, en tant qu'écologue impliquée dans la recherche scientifique, on produit des connaissances. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a produit toutes les connaissances qui seraient nécessaires à un changement. Et voilà. Pierre, en visio, là, vous avez une idée? Comment on lutte contre la FNSEA? Comment on reprend pied, là? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Justement, moi j'ai dit, il faut aider les agriculteurs, oui. Mais sur une question d'argent, ça part par l'éducation. Nous, on a fait l'année dernière avec l'éducation nationale, c'était une première, des visios en direct dans les classes. Alors il y a eu 550 établissements, c'est rien au niveau national. Mais cette année, ça recommence avec justement un spécialiste de l'INRAE qui fera avec moi, pour les professeurs, à la fin du mois, une éducation pour qu'eux-mêmes dans les classes, parce que ONEF s'est rentré normalement dans le programme des,
des classes. Donc on fait primaire, collège, lycée avec des discours adaptés, une demi-heure en visio. Et sur l'alimentation, c'était au primaire un flot de questions. Et j'ai été frappé qu'alors qu'au lycée, avec un exposé plus scientifique, très peu de questions. Il faut vraiment commencer le plus tôt possible à faire de l'éducation, qui est d'ailleurs un déterminant essentiel des déterminants de santé. Hein. Je vous rappelle que le système de santé, c'est 15%. Sauf évidemment, si vous avez l'infarctus ce soir, c'est 100% pour vous. Hein. Mais bon, ça va, vous avez l'air en bon état sur l'estrade. Mais sur toute une vie, c'est les conditions socio-économiques et éducatives qui comptent. Il faut en effet des décisions politiques pour qu'en effet la politique agricole et les subventions et les aides aillent au bon endroit. Et il faut de la formation à tous les niveaux, des élus, parce qu'il y a des plans territoriaux d'alimentation qui peuvent être mis en place, donc il faut les former, c'est pas facile. Nous, on a une action aussi avec le CNFPT. La fonction territoriale, on va former les agents des catégories C, on va commencer par le ménage, hein. Mais c'est déjà ça. Les urbanistes, évidemment, puisque quand vous faites de l'urbanisme, vous devez penser à la biodiversité que vous réintroduisez, à la pollution de l'air, aux îlots de chaleur, enfin bon, toute cette vision globale, évidemment. Donc ça parle par formation, éducation, information et pression politique, hein. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui avait un cancer, mais elle travaillait en effet dans l'agriculture avant, mais l'agriculture conventionnelle. Mais je lui ai dit, il faut manger bio, c'est quand même 25% de risque de cancer en moins. Pas pour les pesticides, vous avez compris, hein. Il y a pesticides et cadmium. Et juste pour rajouter une couche, il y a une étude américaine qui compare 38 perturbateurs endocriniens, des phénols, donc des biphénols, des hydrocarbures aromatiques, des phtalates. Le cadmium, c'est, écoutez bien ce chiffre, avec un P, c'est-à-dire 0,01 très significatif, plus 83% de risque de mortalité quand vous êtes très exposé par rapport à ceux qui ne sont pas du tout exposés. Tous les autres, biphénol, phtalate, c'est 10%, 15%. Le deuxième, c'est l'antimoine. J'aurais pas cru, hein. Mais le cadmium, c'est le pire de tous, et c'est, quand, dans cette étude américaine, c'est le plus de morts aux États-Unis par cancer ou mortalité globale. Donc voilà, c'était juste pour ajouter une couche pour vous démoraliser un peu plus. Mais en tout cas, n'oubliez pas un truc, c'est que les freins neurocognitifs à l'action, il y a ma femme qui est dans le coin, je vais parler de ma belle-mère rapidement. Ma belle-mère, on lui explique que le bio c'est bien, elle n'est pas là, si je peux. Et on dit, ben, on va aller au magasin bio pour acheter des légumes et tout. Elle nous dit, mais je ne suis pas malade. Il faut toujours qu'on trouve une cohérence au fait de ne pas agir. Et la cohérence, là, c'est je ne suis pas malade. Un autre papy m'a dit, ah ben il faut bien mourir de quelque chose. Un autre m'a dit, les études sont bidons. Et par contre, quand on vous bascule un tout petit peu, eh ben, vous allez vouloir continuer à être cohérent et continuer à faire de bonnes actions. Et plutôt qu'un uniforme, voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas offrir à nos enfants, à nos élèves français des bottes et puis les renvoyer, les emmener en forêt et dans des champs bio? Oui, mais il y a des villes où ça se fait. Hein. À Dax, il y a une classe entière qui gère une parcelle de forêt à proximité de la ville. Et les enfants font des cours en forêt et ils vont bien. Je voudrais rebondir juste avant votre question pour compléter par rapport à ce que disait Pierre, parce qu'il a évoqué le rôle des journalistes. Et ça tombe bien parce qu'on est là aussi pour discuter de ça. Moi, sur les sols, il y a un truc qui me frappe, c'est que sur le climat, il y a eu une charte d'un traitement juste médiatique des enjeux climatiques. Quand est-ce qu'un collectif de journalistes s'empare de ce sujet et propose une charte d'un traitement juste médiatique des enjeux sols? Alors, ouais, Karine, non, mais... Karine connaît bien le sujet. Alors, cette charte, en fait, elle parle de l'urgence climatique, mais elle concerne le climat et la biodiversité. Alors, je vais quand même amener, juste avant de repasser le micro à la salle, concernant cette charte, parce que justement, on a eu une,
une journée consacrée la semaine dernière à cette charte, son devenir, les un an de la charte et comment les journalistes allaient parler du climat. Moi, j'ai mis un peu les pieds dans le plat parce qu'effectivement, communément, on s'est tous mis d'accord pour parler des gaz à effet de serre et c'est peut-être bien dommage parce que certes, il fallait un outil pour mesurer l'impact de l'activité humaine sur, sur le réchauffement climatique. Et ce qui a été traditionnellement repris, c'était les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on pouvait les mesurer, les quantifier, et donc avoir cette espèce de thermomètre de l'action politique, de l'action publique. Et ça s'est sans doute fait, à mon avis, au détriment eh bien de tous nos autres problèmes que sont effectivement l'artificialisation, les sols, la qualité des sols. Ça nécessite, c'est pas le même travail, c'est un travail beaucoup plus approfondi pour les journalistes qui ont déjà du mal à être formés aux enjeux climatiques, mais évidemment il faudra en parler, il va falloir avancer là-dessus. Je regrette un tout petit peu, moi, en tant que président des journalistes pour, et écrivains pour la nature et l'écologie, qu'on ait systématiquement ramené la question environnementale à ces émissions de gaz à effet de serre qui masquent sans doute tout le reste, tout le champ des problèmes qui nous concernent. Mais c'est, on y travaille. Une question de la salle ? C'est plus une réflexion. Effectivement, je pense que tout ce qui est micro-biodiversité, il faut vraiment l'inclure dès la maternelle. C'est important. Expliquer qu'effectivement la terre n'est pas sale, mais peut salir. Bien jouer sur le français avec eux. Moi, j'étais en stage dans les écoles en tant qu'animateur nature. J'ai créé carrément un terrarium avec eux. On avait carrément. Bon, c'est vrai qu'il était même plus grand que la table basse. Donc, on avait vraiment un immense terrarium. Donc, on a été chercher de la terre, les feuilles, des branches. Ils ont creusé. Ils ont été chercher les vers de terre. Tout ce qui était petite bête, comme il disait, on l'a mis dans le terrarium et ils ont même trouvé une araignée morte, puisqu'ils disaient qu'effectivement, pour nourrir la terre, il fallait aussi des choses mortes, puisqu'il y a le cycle de la vie. Et il y a des écoles maintenant, Oasis, je pense que les journalistes devraient en parler beaucoup plus à la télé, promouvoir, parce que c'est vraiment important. Et les enfants, du fait d'avoir de la terre dans les écoles, une possibilité d'aller chercher, d'aller faire pousser des choses. Et justement, en plus sur l'environnement, on avait fait pousser justement des choses, enfin, on a mis des graines, ils ont fait « qu'est-ce que c'est lent !» Et par contre, lors d'une fête d'école, il y a tous leurs déchets qui ont été étalés, ils ont fait « il a fallu 30 secondes pour tout détruire, alors qu'on avait mis 3 semaines pour tout nettoyer et tout produire. » Et ils ont mis 3 ans pour avoir la première pomme. Donc je pense que c'est vraiment important. C'est le cycle de la vie. Et la terre et la propreté. Et tout. Juste pour compléter, j'ai animé un atelier sur la vie des micro-organismes du sol en maternelle. Et on a mis en culture de la terre sur des boîtes de pétri pour voir se développer les bactéries et les champignons. Et on a fait des mesures, entre guillemets, de respiration du sol avec un système bidouillé à partir d'une poche à douille en silicone, un récipient avec de l'eau de chaux qui est un réactif qui se trouble en présence de CO2. Et en appuyant sur la poche à douille, on arrivait à expulser le dioxyde de carbone qui s'était accumulé au-dessus du pot de terre pour troubler l'eau de chaux. Donc on peut faire des systèmes de visualisation de la vie cachée dans la terre dès la maternelle. Ça fonctionne très bien avec les classes. Alors, bonsoir. Alors, j'ai une petite question, moi, un peu plus précise, qui va concerner alors, le cadmium, je suis désolé. Ma question, c'est la comparaison entre le... Vous avez parlé de bio et de conventionnel, sur le, notamment sur les apports de phosphate. Ah, il n'est plus là ? Si. Il est connecté quand même, je dirais. Ah. et donc voilà, ma question c'était donc quelle étude en fait parle de cette différence. Alors bon, je vais pas forcément vous poser des questions agronomiques, mais voilà, sur enfin c'était sur quelle plante était dans ces études
Et quels sont en fait les résultats, les résultantes des sols, d'expression des sols sur cette grande, ces taux très différents en cadmium que vous avez évoqués entre le bio et non bio? Oui, oui, j'ai entendu. Donc, je pourrais vous fournir l'étude en question. Hein, c'est l'étude Baranski dans le British Journal de Nutrition, qui mesure donc les taux d'antioxydants qui sont plus élevés et les taux de cadmium qui sont plus bas dans, sur une méta-analyse de 243 publications, donc pas sur quelques-unes, et qui donne en moyenne, les chiffres que je vous ai dit, 4 fois moins de pesticides et 48% pour être précis de cadmium en moins. Donc voilà, je peux vous la fournir. Il y en a d'autres qui ont été faites, mais sur quelques aliments. Mais globalement, c'est ce que dit Santé publique France dans l'étude Esteban. Hein. En plus, ils ont repris, hein, c'est les pommes de terre, les céréales, les produits de panification. Et évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les coquillages et le tabac, ça, ne pas fumer, c'est là-bas. Je suis cardiologue au départ, donc vous comprenez bien que le tabac, ça reste quand même une priorité. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, je ne dis plus en même temps, parce que ça n'est plus d'actualité, mais ouais, il faut combattre, il faut agir de façon globale. Et donc, voilà. Donc, mais je vous fournirai le diaporama même du cadmium. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Oui, si vous l'envoyez au JNE, on pourra le mettre sur notre site. Voilà, mais sinon, vous allez aussi sur ACEF, il y a un communiqué de presse qui explique à peu près clairement les effets, et donc sur c'est tout gratuit, hein, bien sûr, parce qu'on est tous bénévoles. Vous aurez tous les éléments sur le site sur ces sujets et d'autres. Puisque vous parliez de santé globale, ben on a fait par exemple un guide sur les antiparasitaires, les biocides qui sont toxiques pour l'homme et pour l'animal et pour l'environnement, donc avec des éco-vétos. Il y a des éco-vétos maintenant. Et donc, on a fait un guide commun, voyez, on se rapproche santé humaine, animale. Pour nous, c'est la même chose. Hein. Vous savez que les vétérinaires ne sont pas des professionnels de santé. C'est incroyable. Hein. Et donc, pour nous, oui. Mais juridiquement et officiellement, ils ne le sont pas. Donc, ils n'ont pas droit à aller discuter avec les médecins dans les instances médicales. C'est assez incroyable. Hein. Voilà, bon, c'était une anecdote qui... Je crois qu'on ne vous a pas présenté. Donc, c'est Pierre Souvet, président de l'ASEF, l'Association Santé Environnement France. Et c'est sur le site de cette association, ASEF, A-S-E-F, que vous pouvez trouver les éléments dont vient de parler Pierre Souvet. Voilà, j'étais cardiologue, voilà. Malgré mon petit pull très drôle... Hein. C'est un mec sérieux en cardiologie, quand même. Alors, une autre question dans la salle. Bonjour. Comment expliquez-vous justement ce blocage, le fait que l'information ne passe pas, En effet, les gaz à effet de serre, je dirais, c'est une traduction plaisir. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre nous offrent des smartphones, des voyages... des voitures, tout ce qui fait quand même le plaisir de la société d'aujourd'hui. Donc c'est très dur de lutter contre ça. En revanche, chaque fois que quelqu'un prend la parole, il dit « Ah, c'était passionnant ces vers de terre, c'était extraordinaire, on a ramassé de la boue, on a fait... » Et puis finalement, ça n'intéresse personne, très peu de gens. Alors comment se fait-il que quelque chose qui est théoriquement agréable et assez facile d'accès, hein, bloque complètement alors que tout le monde a intégré le gaz à effet de serre. Je m'excuse, voilà. Prenez l'exemple des haies. Faire une haie, c'est ultra simple. Il devrait y avoir des haies partout. Non, enfin, c'est ultra simple quand même, c'est pas très compliqué. Bon, il devrait y avoir un mouvement pour faire des haies partout. Et puis on ne voit rien, on ne voit rien venir. Alors que la haie vous apporte beaucoup de plaisir, le plaisir que vous décrivez. Donc pourquoi ce blocage? Puisque finalement, on se focalise sur quelque chose qui nous pénalise et on ne va pas vers quelque chose qui est un atout pour nous et un plaisir. Et puis, je rajouterai une chose. Est-ce que vous avez fait des analyses de microbiote de McDo pour savoir comment on pourrait le concurrencer? Alors, moi, je vais répondre que sur la première question. Je n'ai pas fait les analyses pour McDo. À mon sens, un des éléments de blocage, c'est le manque de connaissances sur... À quoi servent les sols, concrètement? Parce qu'on en est tellement détaché
qu'on a du mal à voir à quoi ça sert. Pour vous donner un exemple, dans les ateliers de la fresque du sol, on pose toujours une première question au début, quand on fait un tour de table pour se présenter, on demande aux participants quel a été votre dernier contact, direct ou indirect, avec le sol. 90% du temps, le dernier contact, c'est « j'ai marché dessus pour venir ». Alors que dans la pièce, il y a des meubles en bois, ils ont tous pris un petit déj pour venir, ils ont bu. Les sols, c'est des paysages qu'on voit quand on se balade. C'est quand même 95% de notre alimentation, et l'alimentation, c'est aussi le plaisir. Donc on est tellement détaché de l'élément de base qui sert à faire tout ça, qu'en fait, on ne le considère pas. Donc c'est aussi pour ça, nous, l'enjeu qu'on a au travers de cette fresque, c'est faire prendre conscience que les sols sont partout, parce qu'une fois qu'on en a conscience, on peut commencer à les considérer. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, par rapport aux gaz à effet de serre, et c'était évoqué tout à l'heure, c'est que c'est ce qui est facile, entre guillemets, avec les gaz à effet de serre, c'est qu'on peut compter. Des fois, on compte pas bien, mais on compte quand même. On a une métrique, on compte des équivalents CO2, et donc on sait si on fait quelque chose, est-ce qu'on a réduit les équivalents CO2 ou est-ce qu'on les a augmentés. On sait que ça émet tant de produire un gobelet, une table, etc. Là, on a construit toute la métrique. Sur des enjeux systémiques comme les sols, on n'a pas cette métrique. On n'a pas des bases de données qui nous permettent de suivre c'est quoi les impacts, rien qu'en termes de surface pour tous nos biens de consommation, et c'est quoi les impacts en termes de qualité. On n'a pas de métrique pour dire... faire ce gobelet, ça dégrade de X, je ne sais quoi, les sols. Et donc, comme on n'a pas de métrique, on a du mal à les suivre. Et donc, ça, on a du mal à les porter. Un deuxième élément. Et le dernier, c'est qu'on n'a pas de réglementation. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Alors, enfin, aujourd'hui, jusqu'à la loi climat et résilience, il n'y avait pas de loi qui protégeait les sols aussi bien que cette loi-là. Là, maintenant, il y a la question du zéro artificialisation net, l'objectif de refonctionnaliser les sols. Mais avant ça, le sol n'était pas protégé juridiquement, et même au niveau européen, il n'y a pas de loi qui protège les sols. On a une directive européenne sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau. On n'en a pas sur les sols. Alors c'est en train de changer, il y a des éléments, en ce moment, il y a une directive qui est en train d'être discutée. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de cadre réglementaire, pourquoi agir ? Alors je peux vous donner une information, moi il y a un truc que j'ai découvert en préparant cette soirée, c'est que vous avez la possibilité de calculer votre empreinte pesticide en fonction de ce que vous consommez, de ce que vous mangez. Il faut taper empreinte-pesticide au pluriel .com et vous entrez votre alimentation et vous avez votre empreinte pesticide si vous mangez en bio ou en conventionnel. Moi, je rajouterais quand même, pour avoir donc participé avec les JNE à cette charte des journalistes pour une meilleure prise en compte de l'écologie, et pour aller dans ton sens, il y a un nouveau mot qui est quand même à la mode en ce moment, c'est la décarbonation. Et vous allez l'entendre partout, sous toutes les sauces, avec des objectifs de décarbonation, une énergie qui serait décarbonée, une voiture électrique qui deviendrait décarbonée. Et c'est sûr que quand on a comme ça cette musique médiatique où on vous parle d'une décarbonation de l'activité humaine, et bien évidemment, les sols, l'artificialisation, on commence à en parler un petit peu, ou en tout cas on va en parler parce qu'il y a des inondations dans le nord, mais c'est clair qu'on n'a pas parlé, on ne parle pas des haies, on ne parle pas du vivant de ces sols, qui, rappelons-le encore une fois, il y a, je crois, la moitié des espèces animales qui sont dans le sol, 60%. Vivantes dans le sol et autant hors sol. Pour rebondir sur ce que tu dis, on pourrait imaginer fabriquer un tractopelle en matériaux biosourcés, donc en bois ou en produits donc décarbonés, le faire rouler avec des biocarburants décarbonés, ça en reste pas moins un tractopelle. C'est-à-dire qu'au moment où il met un coup de pelleteuse, il a dégradé 30 cm de sol en 30 secondes. Donc en fait, la question à se poser, c'est effectivement, on peut décarboner, ça c'est un vrai enjeu, mais il faut aussi regarder plus loin, il faut élargir le scope et regarder les autres écosystèmes. On l'évoquait tout à l'heure, l'effondrement de la biodiversité, l'état des sols, c'est pas les sols, la qualité de l'eau, et ainsi de suite. Ah, ouais, alors, Béatrice. Oui, moi j'avais envie de dire, par rapport à ce sujet des calculs, puisqu'il n'y a que lorsqu'on calcule qu'on prend conscience, on pourrait espérer qu'il faut calculer un peu plus et ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est invisible en fait. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette au devant de la scène. Donc la microbiote, c'est invisible, c'est l'intérieur de notre corps, on ne calcule pas ces choses-là. On doit apprendre à calculer ça,
on doit apprendre à calculer, à comprendre l'air, enfin ce qui se passe dans l'air et ces molécules, ces particules. On ne voit pas, donc ça n'existe pas. Et donc, on apprenne à calculer tout ce qu'on ne voit pas. À mon avis, c'est important. C'est aussi le sujet du sous-sol, en fait. Et même des énergies, bien sûr, puisque tout ce qu'on ne voit pas, l'énergie nucléaire, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il faut qu'on calcule. Et peut-être, on peut se dire, bon, c'est vrai que l'intelligence naturelle, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On espère quand même que ça pourra nous aider à faire des plus beaux projets aussi, cette intelligence artificielle, à mieux calculer, et pourquoi pas, tout l'invisible, en fait. Même si l'intelligence artificielle nous pourrait... il faut qu'on parle aussi de la réseau... les problèmes numériques et puis la résilience numérique. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Et qu'il faut qu'on raisonne aussi un petit peu cette chose-là. Mais on peut se dire effectivement qu'il y a quand même des sujets qui peuvent être améliorés grâce aussi à cette intelligence artificielle. Je ne sais pas. Gaëlle. Oui, j'ai eu une réaction en écoutant Béatrice qui veut calculer. Et moi, je voudrais qu'on arrête de calculer et qu'on revienne dans une expérience sensible. Parce que je pense que finalement, le carbone, on le compte, mais le sensible permet de percevoir l'équilibre et le fonctionnement d'un tout. Et que c'est peut-être ce qui nous manque dans notre vie quotidienne, d'être en prise avec l'environnement et le monde dans lequel on vit par une expérience sensible. Donc moi, je veux qu'on sente notre environnement avant de le calculer. Je pense que ce sera peut-être le mot de la fin. C'est quand même ce que dit exactement Baptiste Morisot. Il parle de la crise du sensible et Bruno Latour en parlait aussi. L'écologie du sensible se développe petit à petit. Alors, on n'en a pas parlé. Il y a peut-être encore une question. On a bien le plateau de Saclay. Vous êtes francilien. Ça gêne. Le laboratoire d'écologie dans lequel je travaille, qui était historiquement situé dans la vallée, au niveau d'Orsay, déménagé il y a un an et demi sur le plateau Saclay, sur ces terres magnifiques, avec un bâtiment qui n'a rien d'éco-construit, qui n'a rien d'écologique, dans un système global qui n'a pas du tout été pensé, ni en termes de liaison douce, de fonctionnement de la ville. Enfin, voilà, donc je me cache. Bon, et je relisais encore un papier sur ce sable coquillé qu'on avait essayé de prélever dans la baie de Lannion pour reminéraliser les terres agricoles acides. On n'a pas parlé du pH du sol, mais il est plutôt à combien le pH du sol ? Ah ben ça dépend. Comment on réagit quand on voit des sociétés privées qui veulent aller chercher du sable coquillé dans la mer pour saupoudrer pour reminéraliser les champs, ça vous fait quoi, vous ? Je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui manque beaucoup, c'est de la matière organique dans les champs. C'est pas forcément des sables coquillés en première instance. Pour revenir au plateau de Saclay, ça rejoint peut-être ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on s'est peut-être pas posé la question... collectivement, hein. Quel sol pour quel usage ? Il y a eu un choix qui a été fait d'installer là des infrastructures, donc un usage donné sur un sol qui n'était pas forcément le meilleur par rapport au potentiel de ce sol-là. Et avec, pour le coup, la fonction du plateau de Saclay qui retenait cette eau, qui avait pour le coup vraiment une... Un sol poreux, un sol fertile, voilà. Béatrice réagit sur le paysage parce que Saclay, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, moi personnellement, je l'ai vécu petite. C'était pour moi, j'habitais dans la vallée de Chevreuse, et donc le plateau de Saclay, c'était l'agriculture avant Paris. Et pour moi, c'était vraiment un passage pour aller à Paris. On passait par cet territoire agricole, et j'en ai des souvenirs incroyables de ces routes arborées et de ce territoire agricole. Donc j'ai toujours eu beaucoup de passion pour ce territoire, et sur lequel on travaille énormément les paysagistes, et sous toutes les formes. Et je pense que c'est un territoire agricole majeur sur lequel on a des cerveaux, et qui a été très pollué, et qui doit être une vitrine de notre pluridisciplinarité, de nos professions. Donc y a encore un peu de travail, je pense. Une dernière question de la salle, oui. Avant de conclure. Bonjour, je m'appelle Rosenchal, je suis étudiante en paysage à l'ESSAGE, et en fait je me posais une question à propos de la terre dans le milieu urbain. En fait...
on marche donc sur un sol, ça c'est certain, mais on marche plus sur la terre en soi. Et comme il y a une question de renouvellement en fait au niveau de la matière organique, de la décomposition végétale, et que à la base en fait on a construit la ville sur ce sol comme terre, je me demande à quelle distance on est mis de la terre quand on marche sur le sol en milieu urbain, et jusqu'où en fait on peut aller dans les années. Enfin, est-ce qu'à un moment donné en fait il y aura une, on pourra plus, en fait, est-ce qu'il y aura une limite dans le fait qu'il n'y ait pas de renouvellement de ce sol? Est-ce que dans quelques années, ce sera plus possible de vivre en milieu urbain à cause de ça? Et donc voilà. Ça dépend des projets qu'on porte. Et justement, vous, les jeunes paysagistes, vous pouvez porter, vous êtes le futur, vous pouvez porter cette idée de dire qu'il faut enlever l'enrobé de toute la ville le plus possible. Le plus possible, quitte à avoir des sols juste pour qu'ils respirent, en fait. Donc c'est à vous de porter ce projet pour que la ville soit résiliente. Parce qu'il y a plein de questions de, enfin, il y a plein de questions d'hygiène, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de d'accessibilité pour, par exemple, les PMR, etc. Et c'est pour ça que, enfin, en fait, finalement, en milieu urbain, on n'est pas vraiment. On n'est pas vraiment sur la terre, quoi. On la voit parfois, mais dans les fosses de plantation, au niveau des arbres, un petit peu dans les squares, dans les parcs. Mais finalement, pas tant que ça. Et du coup, je me demandais en fait cette histoire de distance. Je me représente même pas la distance à laquelle, enfin la profondeur à laquelle elle est quand on est dans la rue, par exemple. Je pense que c'est tout ce paysage invisible, justement. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut dessiner en coupe. Montrer. Tu cherches la distance d'un sol avec sa roche, en fait. Sa roche main. On marche sur le trottoir, là dehors, le sol, la terre, elle est à combien de centimètres sous nos pieds? Ça dépend des situations, mais on le voit, hein, dès qu'il y a des travaux en milieu urbain et qu'il y a une coupe, on voit très bien que parfois, il n'est pas très loin, le sol. Ouais. On n'a pas besoin d'aller très profond. Ouais. Il ne ressemble pas du tout à un profil naturel parce que c'est un anthroposol. C'est des milieux qui ont été travaillés. Parfois, il y a des gravats, etc. Justement, on fait un projet sur un quartier. On s'est rendu compte qu'il y avait en dessous de 1 mètre du sol, qui est un mètre un peu anthropisé sur des sols d'anciens industriels portuaires. Il n'y avait que 1 mètre de sol qui était abîmé. Et sous ces 1 mètre, on pouvait commencer à trouver des sols naturels, des limons qu'on pourrait réemployer en fait pour un projet de déminéralisation. Parce que par rapport à cette question de distance, moi il faudrait aussi voir la distance dans l'autre sens et la distance, l'éloignement au sol qu'on utilise en milieu urbain. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de tensions dans les villes sur la terre végétale, la terre qu'on apporte. Quand on veut revégétaliser, on veut mettre des forêts urbaines, on veut replanter, c'est très important effectivement de replanter. Et souvent, comme on est sur des anthroposols qui sont très dégradés, on ramène de la terre végétale. Elle apparaît pas nulle part, cette terre végétale. On a l'impression comme ça que c'est magique. Mais en fait, on la prend sur les terres agricoles, on la prend sur le pourtour. On fait que déplacer le problème. Nous, les paysagistes, on n'a plus envie d'apporter de la terre végétale comme ça dans les projets pour planter des arbres, pour faire plaisir sur des sols qui sont vraiment très anthropisés. Ça nous intéresse de moins en moins, en fait. C'est pour ça qu'on veut travailler avec des écologues pour améliorer les sols, quitte à faire des sols pas top tout de suite, mais qui pourront se développer plus tard, des genres de technosols où il y aurait des mélanges sable, pierre, béton, gravats, choses comme ça. Se met en place et qui relance la dynamique du sol, parce que on l'a évoqué tout à l'heure, un sol ça évolue dans le temps et c'est jamais pour l'instant complètement perdu. Il y a une dynamique qui peut se recréer avec un profil qui se différencie au fur et à mesure que la vie se développe dessus. Karine, tu voulais nous parler de livres, peut-être de publications. Oui, je voulais simplement dire que vous trouverez sur le site des JNE toute une bibliographie. On mettra peut-être les études auxquelles vous avez participé.
Et puis, on a publié aussi aujourd'hui une tribune de Christophe Gatineau, qui est auteur du livre « Éloge du ver de terre », qui fait référence à trois études de l'INRAE sur l'impact des pesticides sur les vers de terre. Donc, on a déjà commencé et puis on va continuer. On mettra aussi ce que Pierre Souvet nous donnera également. Voilà. Ah oui, puis on n'a pas du tout. On en a parlé tout à l'heure en aparté, mais on n'a pas parlé du droit du sol et du droit du paysage. Et c'est vrai que ça, ce serait un sujet d'une prochaine conférence. Mais en tous les cas, sur les nouveaux récits du vivant, c'est de plus important. C'est de plus en plus important pour nous dans nos pratiques de faire parler les entités naturelles, de se mettre à leur place et d'essayer d'imaginer comment elles peuvent être représentées juridiquement. Alors, à propos de droit, je ne sais pas si vous étiez là, mais il y a eu une conférence comme celle-ci sur les droits de la nature. C'était le 9 novembre. Elle est visible sur la chaîne YouTube des GNE. Donc, ne vous en privez pas, c'était très intéressant. Le prochain jeudi de l'écologie, c'est sur quoi, Isabelle? Je ne sais plus. Le prochain jeudi de l'écologie, ça sera donc le 8 février. Et le thème, ça sera sur le bien-être des animaux d'élevage. Voilà. Où on en est, quelles améliorations ou pas. Est-ce qu'on peut parler vraiment de bien-être quand on parle d'animaux d'élevage? Voilà. Le débat, donc, le 8 février à 19h. Merci à tous. Merci d'avoir bravé les frimas de l'hiver. Ben, merci à nos intervenants. Bravo. Merci d'être là. Et merci Pierre qui est peut-être... je ne sais pas s'il est encore derrière son... Bon, en tout cas, voilà. Merci Pierre Souvet d'avoir participé, de nous avoir rejoints. Puis on peut aller boire des bières. Hein. C'est... Bah, pas de sol, pas de bière.